Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlappyXTV, bienvenue à vous dans une toute nouvelle vidéo tentative manche 100 sur toutes les maps du zombie. Aujourd'hui, on tente la manche 100 sur Black Ops 2. Voilà, une tentative manche 100 sur Black Ops 2, je dis bien tentative manche 100, attention, hein. Nuance, c'est pas forcément manche 100, surtout sur BO2, on verra bien, mais c'est tentative 100 en tout cas. Aujourd'hui, vous voyez la petite map d'iRise, bien évidemment, pour cette tentative, en espérant que tout se passe plutôt bien. Voilà, attends, hop. Vas-y, le flemme, on va le appeler direct. Donc ouais, tentative sur Darius, merci ChrisBio4 pour les 100 bits, 115 bits dès l'intro, ça fait très plaisir, merci à toi. Donc je vous l'avez vu, tentative manche 100 Black Ops 2, tentative je sais plus combien. Donc comme d'hab pour cette série, nous sommes en live Twitch, tu vois Twitch qui te met des petits coucou YouTube, le chat là, allez-y les subs. Lâchez-moi les mots coucou YouTube, les sub Twitch là. Allez-y, allez-y. Et donc, ouais, on va sentir le petit round 100 sur Dayrise. On verra combien on fera. Bon, l'objectif, c'est quand même qu'on claque le 100. Et du coup, bah, si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à liker cette dernière, hein, bien évidemment. Voilà, comme d'habitude, on explose d'avoir des likes pour du BO2, pour une tentative 100. Il faut exploser le compteur, je compte sur vous les gars. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne FlappyXTV pour qu'on pète les 100 000 abonnés. C'est l'objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche d'notification pour ne pas louper les vidéos zombies. On rappelle que sur cette chaîne, il y a 3 vidéos zombies bonus par semaine. Voilà, il y a le mardi, jeudi et samedi. Donc clairement, exploser les likes. Oh la triple, c'est vrai que j'ai pas ma stat. Attends, je crois, j'espère qu'il va être là. Peut-être l'attendre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et puis let's go, on va tenter ce manche 100. Du coup, on va se setup la game. Voilà, en espérant qu'on ait pas de problème. Parce que j'ai fait une tentative juste avant. Malheureusement, on n'avait pas la tour émanant. Putain, let's go, Masto. Pas la tour émanant alors que pourtant je l'avais fait. Genre qui nous. Le tombstone. Un perk tombstone, j'avais pas. Donc je sais pas pourquoi. Du coup, bon, on a restart. De toute façon, derrière, c'est tranquille. En 4 heures, le manche 100 il est claqué. Faut juste que tu arrives à recaler mon cycle de bonus. Ce qui est assez chiant. On va pas se mentir, mais au moins. Ça devrait être la bonne là. Ça devrait être la bonne, on y croit. Hop. Du coup, craft sticky, on prend nos atouts, on fait tout ce qu'il faut. On fait le propulseur, tout ça, et on partira. Du coup, faut juste que là, en gros, bah, on fasse le sticky, propulseur. Il manque passe-passe plus réa. Qu'on ait les singes dans la boîte, et ensuite, on se fait tranquillou notre petit talent amélioré, et on sera parti. Voilà. Hop. Donc ouais, je sais pas du tout pourquoi, du coup la game d'avant elle a été niquée à cause de la tour émanant. Pourtant je l'ai fait juste avant le stream, j'ai vu la lumière verte en mode bravo, tu as eu la tour émanant tombstone. J'arrive dans la game, je tape une petite dawn, bon pas grave, je me relève. Et là, pas d'atout rémanent tombstone, je sais pas où il est passé. Avec le chat on a conclu, c'était Plutonium qui avait un petit peu des galères. Vu qu'on ne joue plus au code sur Steam pour éviter de se faire hacker les PC, clairement c'est un peu chiant. Voilà, donc bon. Bon là ça devrait être la bonne, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, de bug, hein, voilà. Je croise les doigts actuellement, je me dis allez, s'il te plaît le jeu, fais-moi plaisir, la tour émanant, tu marches. Le minimasto, bon j'ai vu qu'il marche donc ça me rassure, au moins minimasto il est là, il n'y a pas eu de soucis. Ça me fait peur, ouais, c'est juste la tour émanant. Oh, vite, passe pas, vite, vite, vite. Let's go. Hop. On a nos 4 atouts, c'est bon du coup. Attends, on va monter sur rien au pire. Bon, je peux me tuer un peu de zombies là, j'en ai 6 qui traînent derrière moi, un peu la flemme d'en garder 6. Ok, bon, on va servir le propulse. Ou déjà la boîte. Déjà, peut-être la boîte, on fera le propulseur qu'on remontera. Au pire. Au pire, au pire. Hop. Ouais, au pire, attends, tant qu'on est là. Allez, on a eu quoi dans la first room? J'ai même pas regardé. On a que celui-là. Hop. Cosra aussi peut se faire hack sur Steam, le mec il peut restart ton jeu comme il veut en gros. J'en vais faire planter, tu le relances, t'arrives dans le menu du hacker. Casse-toi, toi. Ah, j'ai pas trop le... Oh, mais fais chier, dégagez. Ah, ça, je vous le dis, avec le petit problème qu'on a eu, en plus de la migraine, je suis un peu triggered, là. Je suis un peu... je montre les dents. Hop. Ah, merde. Hop. Moi, le camp, toi. Hop là, ça c'est en bas. Hop. Hop, c'est en bas aussi. C'est good, ok, on a toutes les pièces en bas. Vas-y, let's go. On va se craft du coup le truc. Non, Raltom, j'avais pas un atout rémanent qui est essentiel pour la game. Je l'avais pas, et du coup, bah voilà. J'ai me suicidé d'envie du coup à la fin, vu que ça me saoulait de devoir tout reprendre et tout. Tu fais aller, hop là, ça a bugué, tac, on repart. Mais là, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, j'y crois. Et bon, j'y arriverai que si YouTube atteint la barre des 500 likes sur cette vidéo. C'est ce qu'il reste à faire, YouTube.
Hop. Hop là. Le propi. Let's go. Hop, on peut remonter direct. Allez, let's go les singes. Mais ouais, Daira, ils ont vrai, c'est vraiment une des maps des plus bidons de Black Ops 2. C'est. Voilà, il y en a beaucoup qui idolâtrent Black Ops 2 en mode oh, ce code là, l'ancienne, putain, qu'est-ce que c'était dur. Vous allez voir Daira, hein, pour ceux qui connaissent pas la strat, c'est. C'est voilà, c'était les débuts des strats abusés en mode tu bouges pas, tu tires un coup et t'as plus rien à faire quoi. Hop, allez. Chat du rouquin, le chat, s'il vous plaît, pour les monkeys directement dans la boîte. S'il vous plaît. La chat du rouquin. C'est Clarisse, comment tu vas? Ouais, je m'en bats un peu les couilles quoi. Allez. Attends, j'ai bien le sticky, je vérifie, oui c'est bon. Allez les monkeys s'il vous plaît. Les monkeys. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime les débuts de game comme ça. Allez, on se prend la haine, on améliore et on est parti. Ça, c'est grâce à l'achat du rouquin. Merci beaucoup, ChrisBeo4, pour les 115 bits. Merci à toi, Bomal, pour le soutien. Ça fait ce ultra, ultra plaisir. Ok, hop, let's go. Flapix, chatter, rouquin, Flapix, chatter, rouquin, Flapix, chatter, rouquin, Flapix, chatter, rouquin. Chatter, rouquin. Incroyable. Hop. Le pack-up-un, je crois qu'il il a l'ascenseur isolé. Je crois, si je dis pas bêtise. Hop. Tac. Reposer un peu dessous, on a pas besoin de tout ça. Oh si, je vais en garder. Oh si, je vais en garder, faut que j'ouvre les portes à l'ascenseur isolé. Ouais, en fait, on va les garder. Hop. Y aurait-il un petit ascenseur là? Non. Oh, ok. Hop. Allez, cavale, cours. Cours, Forest, cours. Bon. Non, pas si l'écho. Tu peux pas. C'est littéralement condamné à être comme ça, malheureusement. Vu que Activision et tout feront rien parce que c'est pas leur code actuel. Voilà. Du coup, en fait, les anciens codes, ils sont niqués et c'est tout. Hein. C'est voilà, c'est... Ma foi, c'est la vie. On va attendre les ascenseurs, du coup. Hop. Ah bah Azox, tu sais, ça leur coûte de l'argent et tout, voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on passe maintenant sur Plutonium, etc. pour les anciens Call of. Hein. Allez. Maintenant tu montes, toi. Impec. T'as plus qu'à améliorer la haine et on sera assez top. Hein. Ouais, Drake, c'est terrible. Là c'est, là, c'est vraiment dur, là. Ça me, c'est surtout là. Avec stop. Ah bah ouais, stress, fallait être là. Hop, allez, cours. Hop. Ah bah pas le cas, toi aussi, voilà. Les non-fidèles. On les voit. Allez, hop. Oh, Versailles, c'est pas un moment, c'est Verco, je crois, qui bosse dessus, c'est ça. Non, non, pas moyen, Altom VPN ou quoi, c'est juste par l'ID Steam, c'est pas par l'IP ou quoi, c'est juste l'ID Steam. Et hop, magie. Non, en gros, pas le cas, on avait pas la tour émanant. Tombstone, alors que je l'ai fait avant. On avait pas le permaperk Tombstone, du coup, bah en fait, ça sert à rien de continuer. Voilà. Merci plutôt, je suis content. Verco, ouais, c'est ça. Je crois qu'il a comme projet d'High Rise aussi. On s'arrivera pas avant. Belle lurette, comme on dit. Belle lurette. Allez, le zomblard, dépêche-toi de spawn. Sors que je te fous droit. Est-ce qu'il est pas là? Pas là. Je veux qu'il m'ouvre moins de fenêtres possible.
Poti zombie. Poti. Ouais, ça veut dire ça, il sera pas avant... je pense 2-3 ans, honnêtement. Honnêtement. Bon. Let's go. Allez, on est reparti pour la petite strat début de game. Hop. C'est parti. Ah, le bâton, on est d'accord, il est incroyable le film. Il est vraiment fou. As-tu déjà foudroyé un zombie? Tous les soirs, moi, j'aime bien. En stream, tac, hop là, je viens de foudroyer un zombie. Hop, un deuxième. Je sais pas c'est quoi ce que je viens de voir comme étourée maintenant. En se étourée maintenant, que les t'es en mode... ok, bon. Allez! C'est reparti pour s'ennuyer! Non, Altom, zéro. Vu ce qu'on est avec Cold War. Non, très rare, j'arrive plus à avoir confiance en eux. C'est terrible. Hein. Puis VO2, chaque code, c'est de plus en plus critique en termes de bugs et tout. Là, j'ai zéro confiance. Drex, petite migraine, mais ça va. Du coup, je suis vite, vite ailleurs, ça me saoule un peu. En vrai, heureusement qu'on a eu la donne à la 44, hein, qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la tour Tombstone, hein, la tour Emmanuel, la game d'avant. Parce que t'imagines, c'est arrivé à la 80. Ou même 70, c'était en mode ah. Bah, on restart, allez, là c'est une plus grosse perte de temps. Timmy, c'était un signe pour me dire non, Flapix, faut que tu restart, t'as pas la tour Emmanuel, ça va marcher. Après, j'ai fait exactement la même chose, j'ai eu la lueur verte, donc là. J'ai peur. Imagine ça marche pas, ce serait terrible. Oversight, bah comme quasiment toutes les maps de base zombies, genre Fireblaze c'était ça. Je crois Nart aussi c'était dans la campagne aléatoire. Ferrux c'était le cas. Regarde Five, regarde Ascension. Base de zombies c'est juste un... il réutilise juste les assets de la campagne. Allez, hop. Bien que je pense à la manche spéciale, à bien tuer les Gouloums en ratant des balles pour pas avoir la tout gratuit. Sauf que je puisse reprendre Réa en fin de manche chaque fois après. Ok. Yo mon truc de cycle de bonus. Nuke, hop. Bon, je sens sur toi, tu peux pas, Zephy. Il y a une seule personne au monde qui a réussi à arriver. C'est comme Call of the Dead, tu vois. C'est des manches sans qu'on verra quasiment jamais, quoi. Enfin, Call of the Dead, c'est sûr que c'est le manche sans qu'on verra jamais en solo. Farm aussi, je pense que ce sera inatteignable dans tous les cas, dépôt aussi. C'est des maps où ce n'est pas possible. J'en ai tout, t'as Kiki, je pense. Ah, mais je prends pas d'autres atouts, hein. C'est mort. Surtout pas Kiki qui peut te faire crash le jeu. Hop, let's go. Ouais, comme Nuketon, Mikaka, tu vois, il a été atteint, je crois, une fois. Le sang sur Nuketon, je crois. Je sais pas de conneries, mais c'est aussi un manche sang qui est inatteignable, hein, qui est pas faisable, en gros. Sauf de faire d'être un des plus gros joueurs de l'histoire qui traîne la map comme jamais, quoi. Comme toi, on a vu le manche sang une fois, on va pas le revoir avant. Encore. C'est toi, Jean-Mille, comment tu vas? Ouais, ça a mis caca. Alors que là, tu vois, par exemple, bah, si je tombe à terre, à tout remanant tombe saune,
Je garde Masto, passe-passe, double coup. Juste attendre la fin de manche. Fin de manche, il me reste un zombie. Hop, je descends, j'achète Réa, je suis reparti. Ou même si je dois descendre avec tous les zombies, si c'est la merde. Il me restera quand même toujours les 3 atouts. Alors que si par exemple j'ai Kiki plus 3 armes, je peux pas racheter Réa. Le crâne, c'est terrible. J'aurais pu me dire, ouais, non, sort migraine, faut pas que je force, faut que je me repose un petit peu. Je me suis dit, non, rien à foutre. Je veux lâcher le son sur Die Rise, rien à battre. Merci pour le follow, Brief. Bienvenue à toi. Ah, Carpenter. Donc, ouais, j'ai vu le Carpenter. Ça me fait chier que je l'ai eu, je pourrais pas laisser pour caler mon cycle. Putain, fais chier. Non, non, Mikaka, c'est toujours pour moi l'une des pires maps. Surtout, bon, le run. C'est pas le plus passionnant, quoi. On va pas se mentir. Hein. Derrière, ce que j'ai toujours aimé, c'est son ambiance et sa skybox. Oh, voilà, c'est tout. Sinon, la map, pour se déplacer, ça c'est cassé les couilles, c'est trop chiant, c'est infernal, les ascenseurs. Les secrets sont claqués. Si, la first room qui est un peu intéressante aussi, quand même. On va pas se mentir, BO2, c'est vraiment le jeu des first room. Hein. C'est pas le jeu de la survie, c'était Si, les filles, la strat, c'est totalement full legit, hein, c'est accepté par ZR, c'est là où les... Les débuts de game sont censés, que ce soit coop, solo ou quoi. C'est là qui est majoritairement faite. Ah, la même, Drax, la même. Passion dans la survie BO2. Ok, x2. Alors, x2. Le 7 octobre, Mikaka. Tu te souviens pendant la vidéo BO3 PS3? Si, oh, c'est terrible. Au moins, on a bien rigolé, franchement, avec Fab, Coyote et David, c'était incroyable. Udeomo, hein. On a vraiment eu de sale fou rire, quoi. Ah, Zephyr, en vrai, c'est pas... Non, c'est pas celui qui disait... genre, que c'était sur... Sur PC, t'étais pas legit parce que t'avais les fauvés, je crois. Et c'est lui, voilà quoi. Ah, j'espère, Altom. J'espère. Max Hamo. I am burdened with the means of destruction. Abs Die Rise.
Minix, peu importe, donc la map a un bon secret, un bon boss fight, pas mal d'histoires secondaires et qu'il y a une vraie ambiance quoi. Genre pas un D-Machina ou Firebase Z. Par exemple, tu vois, certainement pas une map comme ça. Je suis à l'ouest, c'est terrible. C'est ça toi? Let's go. Cycle terminé, ok. Ah Manix, c'est surtout pour faire un petit hop, petite map facile, tac, on va laisser peser. Vas-y, ça paraît, t'habites-toi bien. Vas-y, prochain manche de Gouloum, je pense, on va descendre. Non, Realtom, non, non, pas du tout. C'est le zombie le plus populaire, littéralement. Donc il est pas sous-côté, il est coté comme il faut, genre, vraiment. À limite, en sous-côté, il y a Sud BO4 IW, là, totalement. Ok, double points. BO3 est justement coté. C'est pas le zombie le plus populaire pour rien. Ah, totalement overside. Hein. Allez, go. Hop, pop, pop, pop. Ah, donne-moi pas d'atout. Ah, totalement Minix. Hein. Hop. Hop, hop. Allez, on est reparti. En espérant que le tour émanant fonctionne, s'il te plaît. Ah exactement, Ah merde, j'ai pas vu qu'il y a... Ouais, c'est Drax qui... Pas obligé de l'utiliser, rien t'oblige, tu peux jouer en classique. C'est l'avantage du jeu, c'est que tu peux jouer classique, no gum, méga. Non, il était le plus controversé en vrai, c'est genre BO4 par exemple. Lui, ultra... Les avis dans tous les sens. Clairement, ça sert à quoi si jamais j'ai plus de balles dans la haine pour la manche des Goulooms? Pour les tuer tranquille. Ouais, il y a une flaque qui s'est formée au-dessus, je vais me foutre en l'air. Et vous faire foutre. Dire c'est plus un moyen de sûreté, histoire d'être tranquille quoi. Non mais Sun, si elles sont contre le mur, elles peuvent pas se déclencher. Que je sais pas, imagine j'ai une insta entre temps, j'ai pas de mun, j'ai vidé toutes les balles d'AN. Bon, ce qui arrive très rarement. On sait jamais, tu vois. Ok, nuke. C'est toi Rafa, comment tu vas? Oh, je te jure Mason. Les champs de mines sur World Atoire.
sur Ferruct. Ah, salaud. Un manche. Ouais. Oula. Ah ouais, Yannis, ouais, j'ai quand même le farm. Juste comme ça, tu vas mettre prestige et après ça, c'est ça dégage. Genre comme ce que je fais avec Coldor en fait, genre je monte le prestige de la saison, enfin le mettre prestige de la saison, je fais mes défis de saison et après je me casse du jeu quoi. Oh les chaînes là, elles me font quoi les zombies, wesh. Une caca pour BO2 c'est la plus. On va se mentir hein. Hop. Cette strat elle est broken. Ah, Manix, c'est plusieurs maps open world dans Contagion. Hop. Ouais, Antoine, bah jusqu'à ce que le Silky one shot pu. Donc, c'est-à-dire la 100. 101, c'était un peu de chance. Hop. Petit insta. Instamune, ok, nouveau cycle, faut que je note Instamune. Attends. Merde. Je fais de la merde, j'y arrive pas, je suis HS. Je suis HS! Ok. Du coup, en gros, après, c'est de la strat en général propulseur. That misère soul. Attends, hop. Ah, j'ai loupé les balles, le jeu, c'est bon. Si Kino, la tour émanant, il n'a pas marché sur la tour émanant Tombstone sur Plutonium. Et du coup, là, j'ai réessayé avant. J'ai réussi à le ravoir et à le refaire fonctionner. Donc, normalement, je suis censé l'avoir. Parce que si je l'ai pas, je restart, c'est un. Si jamais, bah. Si jamais tu sais je meurs, au moins si je me relève, tu vois, je récupère tous et tout, sauf rien, genre j'ai 500 000 fin de la manche. Hop, tac, j'ai cherché Ra, tranquille. Je brise pas mon cycle. Alors que là, bah si j'ai plus d'atout, bah je vais descendre, c'est la merde. Et de ce qu'on m'a dit dans le chat, plutôt, avait beaucoup du mal avec, avec ça. Ah, Raltom, totalement. Donc, j'espère que là, la tour émanant, il a bien marché, que c'est bon, je l'ai. On m'a dit c'est plutôt qu'il galère à mémoriser les c'est vraiment ce qu'on m'a dit après dans le chat. Si j'ai tout préparé avant, avant le live tout à l'heure, j'étais sur Discord avec bah, du coup Narbonne, Virus, Kushi, Proxy. J'ai fait mes points à la banque, j'ai fait mon mini masto, j'ai fait Tombstone, là j'arrive, hop, plus de Tombstone. C'est en mode bah. Enfin, comment ça, plus Tombstone, je l'ai fait en fait juste avant. J'ai même pas relancé le jeu entre temps, donc pourquoi Tombstone, où est-ce que t'es mon ref? Et du coup, bon bah voilà. J'ai vu que je l'avais pas, je suis allé sauter dans le vide direct, j'ai fait aller. Donc là, j'espère que c'est bon, qu'il est bien là, que ça a bien marché. Donc on peut être tranquille. S'il te plaît, plutôt, si, je t'en supplie, hein. Me fais pas chier. Bah Zax, ouais. Mais il y a des graphismes pires que World at War, c'est terrible. Ah, ah. Et Chris B4, merci beaucoup pour les 115 bits. Merci à toi.
Altom, le code promo Flapix, on n'oublie pas le petit code promo. Pas de Insta. Hop. Pas de Insta nuke. Ok. Cycle terminé. Oh, 4 points gratuits, let's go! Atomic fission. Well, I can only speculate as to why that sound played, and speculate I will. Bah, normal, Alex, t'as cru quoi? T'as des raclures! Perhaps further testing will reveal other exotic states of matter, prior to now existing only in theory. Oh le salaud, il y a une flaque. Crâne explosé. Oh oui, même beaucoup plus hein, Realtom. Tranquillement. Nuke. Putain, j'ai même pas vu, j'avais plus de flaque. C'est terrible, j'y arrive pas là, c'est... Là, je suis pas bien. Il se met plus de flaque sous moi. Mais oui, Drax, il faut. Faut dans le bain. Hop. Non, on n'a pas le nom, j'ai pas tiré. Non. Sinon, ça fout la merde. Souls. Realtom, il faut. Plus en vrai, il y a des lunettes prix largement abordables. Il y a tout. De toute façon, il y a des paires de lunettes un peu plus chères, d'autres un peu plus tranquilles. Non, je fais pas de double chaîne. Si jamais. Là, ce qu'il y a, c'est que je cale juste mon cycle et tu peux pas être à court de munitions sauf si t'amuses d'un seul coup à faire BABABABABABABA. Et justement, après, en gros, dès que les cycles, les 4 bonus, s'ils ont pop, je tire là. Puis après, ça fait toute la manche et voilà. Même à la 93, genre sans. Enfin, quand je l'avais fait à la 93, sans prendre de mun à. À une certaine manche, j'avais toujours des mules, enfin c'est délirant. Ouais, c'est ça, Napalm, exactement. Ok, fin de cycle. Hop. Oh merde, fin de manche. J'ai essayé de caser mon cycle vers la 40, je pense. 45. Bon, je reviens juste faire un tour au pipi room. Pendant son YouTube, lâchez les likes, les abonnements, tout ça, vous connaissez la musique.
J'ai le crâne en miettes. Mince et d'autre, ouais, Overside. J'ai un peu plus de temps de prévu parce que je me suis quand même lavé les mains. Je tiens à garder une hygiène propre. Ouais, Realtom depuis octobre 2018, donc ça va bientôt faire. Salaud. Ça va bientôt faire 3 ans. Dans un mois, ça fera 3 ans. Mais c'est beau, j'imaginais même pas tenir 6 mois et au final, bah, ça fait 3 ans. Pas de bonus qui tombe? C'est terrible. Après, je suis que mange 27, hein, donc bon. Petite une ça, là, pour fuser la manche. Je suis joueur actuellement. Hop. Quatre Tesla Yanis à l'heure actuelle. Et Villa, là, je vais acquérir ma troisième. Non, non, Mikeka, non, non. J'ai tout le temps besoin de changer de façon de métier, de domaine et tout. Hey Nightbot, il faut vraiment que j'arrive à mieux le régler, Nightbot. Benji a l'avenir, ouais. Pour les avenirs, oui. Hop. Faux forcément, quand tu vis de YouTube et Twitch, c'est pas éternel. Hein. Surtout dans le domaine où je suis, quoi. Code zombie, bon. C'est pas le truc le plus safe et le plus visionné, quoi. Non, en gros, à terme, ce que j'aimerais, c'est mettre assez d'argent de côté et créer en gros mon entreprise de prestations dans le domaine de l'audiovisuel. Genre montage, tournage, trucs comme ça quoi. Ouais, c'est mon but en gros après YouTube, c'est d'avoir une petite entreprise de prestation. Ça, je sais pas, une entreprise qui a besoin d'un film publicitaire, je sais pas, hop, on tourne, ça monte, etc. Terme d'image et vidéo. Ouais, c'est mon objectif en gros, c'est avoir mon entreprise. Voilà. Bah, ça arrivera un jour ou l'autre, Yanis Auray, forcément. Ah, je pourrais pas faire ça encore, tu vois, à 40 ans, je me vois pas. Je veux pas être là à 40 ans. Salut à tous, on se retrouve pour la saison 17 des retours zombies, les gars, ok? Non, non. Ça, YouTube, pour l'instant, je kiffe tout ça, tu vois. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, mais je sais que, je sais pas, peut-être d'ici 5 ans, j'en serais lassé. Je me dirais, non, j'ai besoin de changer d'horizon, voilà. Manche, ok. Hop. J'ai le max ammo aussi. Tibinixo, comment tu vas? Si si Mikaka, si si. Mais là je commence à sentir que... Genre j'ai vraiment des moments, tu vois, je me dis putain j'aimerais bien genre un matin me lever, aller à mon taf, tu vois. Rentrer le soir, hop, avec la chérie, ça mange, le soir, ça mate une petite série. Je me donne jusqu'à 30 ans. Bah, Realtom, je grandis, hein. Je vieillis. Je deviens vieux et con, ça y est. Déjà, même pas 25 piges, vieux et con. Et surtout, moi je suis quelqu'un qui a toujours, genre, j'ai jamais su rester plusieurs années de suite, et dans le même truc là que je tiens depuis aussi longtemps sur YouTube, je sais pas comment je fais, je me dis c'est vraiment une passion au final, si j'arrive à tenir autant de temps. Genre au début, je voulais être architecte, ensuite bam, infographiste, ensuite je me suis dit, ouais non, vas-y, je pars en études de montage vidéo.
truc, c'est je fais bam 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 bam. Ok, nouveau cycle du coup avec la nuke. Attends, le x2 c'est un deuxième qui spawn? Je crois que c'est un nouveau x2 je crois celui-là. Ce que tu dis, non Rezoc, c'est pas ce que j'ai dit pour moi, juste pour mon cas. Je sais pas, tous ceux qui plus de 25 ans sont cons, bien sûr, pas du tout. Alors faut bien charrier ceux qui ont déjà le quart de siècle, c'est bon. Moi tu vois, j'ai encore un an pour les charrier, après je pourrais plus charrier, je serai dedans quoi. Ah, ouah, mais hey, arrête-toi le crâne, c'est bon. J'ai compris, j'ai une migraine, pas la peine. S'il te plaît, j'ai un petit monsieur là dans le crâne, il arrive, bam. Comme ça, je suis tranquille d'un seul coup. Bam. Oh, il a flaqué au-dessus. Non. Non, c'est bon. Realtom, en vrai, si. Il y a tellement de contenu à proposer avec Cold War Zombie, juste, bah maintenant, je fais moi, parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me forcer, quoi. Genre, tu sais, des classes setup, des trucs comme ça, des découvertes, des challenges, c'est le code, et il y a le plus de possibilités en termes de contenu. Mais j'ai pas envie de me forcer, parce que j'aime pas du tout ce zombie-là, et j'ai pas envie de faire arriver en vidéo, allumer la caméra. Salut à tous, on se retrouve sur Cold War Zombie, aujourd'hui, nouvelle classe setup. Non, je sais pas, si je me fais chier, il me fait chier, c'est tout, hein. Clairement, j'ai pas envie de me forcer en mode, ouais. J'en fais de temps en temps, ce que j'aime bien, c'est le code actuel, genre tu vas faire des flaps infos sur les nouveautés, les tutos des maps, ça reste toujours ce que j'aime, hein. Peu importe le jeu, le zombie, c'est toujours un truc, j'aime bosser ça, tu vois, en mode, hop. Genre, tu sais, le travail d'écriture derrière et tout, j'aime trop, même si maintenant c'est Storm qui me carry les scripts. T'as un monsieur dans ta tête, je te jure, là, genre, hein, monsieur, il est là, il fait tac. Un petit monsieur là, bam. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de migraine en vrai. Et je pense que c'est tout le manque de sommeil, parce que cette semaine, vraiment, j'ai fait une semaine de... Je me suis dit, mes heures, pouf, rien à foutre, je les compte pas. Cette semaine, j'ai du coup fait la vidéo quand même, c'était un tournage de 4 heures, la vidéo de mercredi, je l'ai montée. Ensuite, bah du coup, il y a eu tous les lives en plus, j'ai monté le best-of, j'ai tourné la vidéo de dimanche, j'ai monté la vidéo de dimanche, je pense que ouais, cette semaine, j'ai dû péter les 100 heures de taf, je pense, à peu près. Genre vraiment, cette semaine, je sais pas, je me suis dit, vas-y, rien à foutre, j'enchaîne tout. Là, ce que je vais faire début de semaine, enfin du coup demain je vais tourner la vidéo qui sort mercredi, pas celui-là mais celui encore d'après. Et mardi je tournerai la vidéo de dimanche qui arrive en gros. Comme ça au moins jusqu'au DLC 4 en termes de vidéo je suis tranquille. Et j'aurai le temps de faire bah, les flaps info quand ils annonceront le DLC 4, la saison 6 etc quoi. Insta-kill. Comme ça, moi, je me dirais, oh, j'aurais juste à stream, tu vois, tranquille. Les vidéos Flapix CV, tout est prêt. Attends, hop. L'idée de la chaîne principale, tout est prêt jusqu'au DLC 4. Et comme ça, je pourrais me reposer un peu avant la sortie du DLC 4, où forcément, chaque sortie de DLC, c'est toujours le gros rush de bâtard. Là où tu dors 2 heures par nuit, t'enchaînes les tutos, bam, bam, bam. Recherche secret, tout ça, quoi. Moi, je kiffe, hein. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Les sorties de DLC, c'est toujours... C'est le moment où je dors le moins possible. Mais c'est le moment où je m'éclate le plus quoi. On a eu quoi? On a eu Moon et Nuke. Je crois. Ah moi c'est mis caca. En même temps quand tu as tous les problèmes qui sont liés au jeu, les bans sur PC parce que tu faisais des manches, le jeu qui est toujours instable alors que ça va faire 11 mois bientôt qu'il est sorti, ça fait 10 mois et demi. Il y a de plus en plus de gens qui dans les commentaires me disent vraiment à chaque fois en mode... Et en fait, depuis la dernière mise à jour, genre sur PC, c'est surtout sur PC, il y a des gens qui disent en contagion je peux plus. Sur console, on va dire plus c'est OGN, c'est beaucoup, je dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Genre vraiment beaucoup qui disent que sur un map classique, bah il crash en fait. C'est terrible. Ouais, cette semaine Benji, c'est pour ça là, je pense que là ma tête elle a fait. Non. Là, je me dis, je me bute encore jusqu'à mardi soir, mercredi comme ça, tranquille, petite journée chill avec la copine. Un ménage, les courses, le soir, petite série. Et comme ça, jeudi dans la journée, je peux me reposer. Jeudi soir, normalement, trailer de DLC4, j'enchaîne trailer de DLC4, j'enchaîne sur le live. Et vendredi, samedi, dimanche, normalement, c'est chill, pas grand chose à faire, comme tout sera prêt. Ah, de Cold War, Darian, c'est. Voilà, c'est. Pure déception, ce jeu. Mais très rare, ils abusent, c'est de plus en plus, hein. Déjà, BO2 à la sortie, je me souviens, le premier mois, le jeu était pas mal cassé, il y avait pas mal de problèmes, notamment sur Transit, il y en avait vraiment beaucoup, hein. La nostalgie peut faire oublier, mais vraiment, la sortie Transit, c'est vraiment un.
Ça gueulait tellement ça buguait. BO3, c'était plus 3 mois, genre jusqu'à la sortie d'Air. D'Air s'est stabilisé, c'est Dennis arrivé, ça a foutu la merde. BO4, ça a duré 5 mois. Et là, Cold War, ça fait 10 mois et demi que le jeu est dans un état pitoyable. Hein. Et j'abuse pas en disant pitoyable, c'est vraiment le jeu est dans un état actuellement pitoyable. Hein. La saison 5, encore plus casser les trucs, c'est... Après, c'est très harsh et... Je sais pas comment ils se démerdent, mais ils font toujours de pire en pire en termes de bugs. Ouais, mais caca aussi, surtout, deux maps pas folles. Après, on a pas ce mode, on a quand même le mode carnage, on a quand même le mode contagion, c'est le code, en fait, qui, en termes de zombies, a ajouté le plus de contenu. Cold War, c'est le zombie où on a eu le plus de quantité d'ajouts, genre les défis de saison, les défis de base, les Dark Ops, les trucs à farm, genre, tu sais, les tirs, l'atout, etc. Les mini-niveaux à chaque saison, vraiment, Cold War est le zombie où on a eu le plus de quantité. Et comme dit Kenshin, maintenant, leur système économique à Activision, c'est quantité supérieure à qualité. Tu vois, le zombie Cold War, il y a pas de qualité, hein. Contagion, c'est bien, c'est novateur, mais ils auraient dû le mettre de base, comme truc bonus, et pas comme map DLC. Comme ça, au moins, tu sais, à chaque entre-saison, tu sais, entre chaque map DLC, plutôt, ils auraient pu rajouter du contenu sur Contagion, tu vois, ça fait un plus. Mais là, le mettre en DLC 2, je trouve, c'est un peu... Non. Ça, j'espère que sur Vanguard, Contagion sera à la sortie. Comme ça, à la sortie, on aurait... Ce que j'aimerais, c'est Carnage à la sortie de Vanguard, en exclu PS, du coup, qui a toujours de l'exclu PS. Contagion plus la map de base. Et là, pour moi, c'est un lancement qui est bien. Comme ça, on garderait nos 4 maps DLC en plus, comme un code classique, voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, leur système économique, c'est plus... attends, hop. Avant, tu vois, quand même, parce que tu payais ton DLC 15 balles, donc ils essayaient de faire quand même le truc quali pour pas que, bon... Pour 15 balles, tu te fasses un peu douiller, mais là, vu que tout est gratuit, bah, ce qu'ils ont voulu faire, c'est un max de contenu gratuit, mais du coup, qui n'est plus forcément qualitatif. Et leur système économique, maintenant, c'est vraiment... Quantité supérieure à la qualité. Ce qui fait qu'on a du coup des maps très peu quali, à part Moher qui est quand même pas mal, mais ça manque de secrets secondaires. Tu vois, c'est une map ok tiers, qui est quand même belle, je trouve, l'ambiance est super. On a quand même un secret qui est pas dégueulasse, rapide, mais les étapes sont agréables, le boss est cool, il y a plusieurs cycles, il se fait pas en 6 secondes comme à Horda. Non, Moher a bien rattrapé, hein. Juste espérer que le DLC 4 soit comme Moher, quoi, une bonne surprise. Si, Mikaka, si, tu peux pas dire le contraire. T'as plus de 20 maps carnage, t'as 8 maps en contagion, t'as 2 quêtes principales contagion, t'as tous les événements secondaires contagion, t'as, bon, 3 maps de base, oui, t'as tous les défis de saison, les défis classiques, les Dark Ops, le Dark Ether sur toutes les armes, des armes de... qui sortent à chaque saison, le niveau 1000 de saison, je sais plus si je l'ai dit, les trucs, les tiers à farmer, les renseignements, c'est en termes de quantité, objectivement. Si tu poses sur la table, genre, t'sais, en termes de quantité, tous les Call of Zombies, Cold War est celui qui a eu le plus de trucs. C'est vraiment le zombie qui a le plus de quantité. En termes de contenu et de temps de jeu à passer, c'est Cold War qui bat tous les records. Non, Yanis, ils font comme avant, ils reprennent une partie de la campagne. Genre le Nuketown ukrainien, pardon. Genre dans le grand bunker. Comme ce qu'ils faisaient en fait à l'époque, tu vois, de Black Ops 1 avec Ascension, avec 5, même World at War. Le problème, c'est que oui, quand tu regardes les maps, genre Firebase Z et D-Machine, c'est pas des maps très quali, quoi. C'est pas des maps, genre, on pourrait les comparer à des maps de Black Ops 2, tu vois, un jeu de 2012, alors que c'est un jeu de 2021. Et qu'entre-temps, on a quand même eu des maps du genre Deres Ntrahe, Gorod Krovi, Révélation, Death of the Night, Enchanted Evil, Nine, Blood of the Dead, tu vois, des grosses maps, en mode t'arrivais sur la map, c'était une surprise l'ambiance, il y avait tellement de trucs sur les maps, c'était... Oui, mais Mikaka, quand tu regardes en termes de contenu, de Cold War est le contenu le plus... Mais moi j'aime pas Cold War et pourtant je lui donne un gros point, c'est que c'est le contenu qui a le plus de quantité en zombies. On a... Attends, quand tu regardes tout le carnage c'est... Ah si, derrière moi c'est simple, carnage est mon mode secondaire préféré de toute l'histoire de Cold. Surtout endiguement. Et en plus oui, le mode endiguement, les modes secondaires, enfin les modes temporaires ajoutés comme contagion survie, cranked, on a eu plusieurs modes à chaque fois en... Attends, là j'ai perdu mon cycle. Ok, j'ai fini avec l'insta, donc là je viens d'avoir l'insta. Niveau de tout, Mikaka. Ok. Ce problème, c'est que bah, après les maps elles sont pas quali. Voilà. Ah, quand tu juges tout le contenu du jeu, mais caca. Ça, après, c'est sûr, dans ce cas, si tu prends un élément, tu peux dire, bah, sur ce code-là, cet élément, il était plus de quantité dessus. Dodo, Flapix, dodo. Voilà.
Comme le Dark Ether, si tu dis, bah par exemple, voilà, Dark Ether, bah non, quantité était plus sur BO4. Ça n'a pas de sens, donc y'a... Merde. Couche, papote, je papote. Vas-y, on peut vite un peu... C'est débile. Merci beaucoup Chris pour les 115 bits. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé, merci pour les cheers. Ça fait super plaisir. Je crois que ce prochain manche, les goûts, c'est 40, je sais plus. Mon cerveau, il est... Boulouloum. Et voilà, c'est leur nouveau système économique. Et puis, il risque pas de s'arrêter au vu de... Activision n'a jamais généré autant d'argent que depuis le délire de saison avec NW 2019. C'est vraiment par trimestre, c'est des chiffres. C'est mais... Il y a des moments par semaine, c'est des millions et des millions et des millions. C'est ouf. Après, réel, moi je préfère le système gratuit. Tu vois, je te cache pas qu'à chaque code, lâcher 120 balles, c'est chiant. C'est chiant. Je préfère le système free. Mais bon, ce serait bien qu'il soit un peu plus quali, ouais, mais on est d'accord, genre FireBase Z, on va pas se mentir que... Frère, chiant, quoi. Ensuite, 6 mois d'attente pour Moher. Moher est cool, mais... Il manque un petit truc sur Moher. Mais ça reste quand même une map pas dégueulasse, hein, franchement, ça reste une bonne map. Espérons que le DLC 4 soit comme Moher, une bonne surprise, en mode, putain, ok, le secret est sympa à faire, le boss est bon, la map a son ambiance... Ultra stylé. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est comme Moher, quand elle est sortie, j'ai fait ouais, bon, bah. Le trailer m'a quand même donné envie au niveau de l'ambiance. Après, je me suis dit, ouais, non, mais les gars, de toute façon, en termes de secret et tout, ça va être. Ça va pas être fou. Au final, Moher, vraiment, ça a créé la surprise. FireBase Z, on souffle fort, ouais, ouais. Merde. FireBase Z, on. Ah, Mikaka, c'était pas mal du tout. Genre pour Cold War, moi vraiment, Moher, elle m'a surpris. J'étais en mode. Putain! Et du coup, j'espère que le DLC 4 ça fera la même chose. Tu vois, en mode on en attend rien parce que c'est Cold War. Et qu'au final, elle sorte et qu'on soit là en mode. Ah, l'ambiance est super sympa. Le secret est bon, le boss est bon. Bah, putain, let's go. Je croise les doigts. Ce serait trop beau. Donc, Ah, Benji, ça pourrait être sympa. Merde, j'oublie un truc à chaque fois d'ailleurs. Ah, bah c'est bon, j'avais atteint le full jeu. Oh, je perds la tête, c'est ouf. Ouais, bah Real Tom, Dimashino aurait pu être incroyable s'il était dans les terres noires. Non, moi j'ai pas du tout genre de jeu, Yaker. Je suis pas du tout, adepte. Mais ce qu'il faudrait, c'est une map full été noir. Vraiment, si ils peuvent faire une full, ce serait incroyable. Merci beaucoup, Doki, pour les 1000 bits. Tu fais plaisir, merci à toi, beau gosse. Genre, vraiment, une map full été noir. S'ils nous lâchent ça, bah c'est simple, c'est littéralement, en termes d'ambiance, l'une des meilleures maps de l'histoire. Vraiment, l'ambiance de l'été noir est incroyable, c'est magnifique, c'est fou. Oh. J'aimerais juste que la nuke disparaisse en vrai. Let's go. Vraiment, ils sortent une map full éternel, mais je sais pas ce qu'ils attendent pour ça. Ce serait. Là, il serait un délire. Ce serait magnifique. Ce serait. Putain d'ambiance. J'espère que le DLC 4 ça va être ça. Bon, alors, limite, c'est le début de game. Ok, genre. C'est pas forcément éternel. D'un seul coup, tu fais le pack à punch. Bam, t'es transporté dans l'éternel. Tout reste de la map éternel. Ce serait une claque, hein. Hop, hop, à la nuke, c'est trop chiant avec les zombies. Ça ralentit un peu le spawn, surtout. Et t'as des zombies qui meurent pas tout de suite. Du coup, c'est des vrais, enfin des faux zombies, on les appelle. Et du coup, c'est chiant pour les tuer et tout. Mais ce serait... Ce serait ouf. Genre, vraiment, je sais que... Ok, Dimashino, c'est... Dimashino, c'est un remake de Nart et tout. Mais même en éternel noir, moi je saute dessus, hein. Si elle était full éternel noir, j'aurais dit la map elle est bien. Parce qu'elle a une vraie ambiance alors que Dimashino classique elle est pas très. Elle fait un peu tristoun.
Ok, je crois que j'ai réussi à recaler mon cycle. Mais là, 42, c'est dur de drop à chaque fois les 3 bonus. Les 4 bonus, pardon. Bonjour, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est sûr, après Mikaka, voilà, remake de Nart. C'est ce que je disais à la sortie du jeu quand il y avait eu Nart. J'étais en mode, moi de Nart, ça me dérange pas qu'elle soit remake puisque c'est un bâtiment Nart. Ça va, tu vois, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est juste un bâtiment. Mais je parle juste de l'ambiance de base, c'est, elle fait un peu tristoune, tu vois, elle fait toute triste. Je sais pas. Ah non, Benji, pas du tout. Alors que t'imagines si Timashino t'activait le pack à punch, au final tu restais tout dans l'éternoir, fallait faire secret dans l'éternoir et tout, ça aurait été. Enfin, secret, tu fais de base principalement dans l'éternoir, c'est sûr, mais je veux dire, toute la map éternoir, ça aurait pu être une bombe la map. Même si, bon, le boss fight est un peu bidon. Ça manque d'easter eggs. Il y a beaucoup d'easter eggs secondaires, mais ils sont pas très impactants. Genre, par exemple, pour avoir 1500 points gratuits, il faut avoir câble à chaise, donc dépenser 2000 points. C'est un peu bête. J'ai cru voir les max, mais non. Si, les max. Oh, il y a tous les bonus. Vas-y, Nick. Ah non, j'ai pas réussi à avoir. Tant pis pour la nuke. Enfin, le problème, c'est que là, vous voyez, il y a des zombies du coup invincibles, entre guillemets. C'est très relou. Ah, c'est bon là, je pense. Ok, cycle reset. Là, c'est bon, mes 4 bonus y tombent. Ça me fait plaisir. Merde, j'ai pas réussi à tirer sur les zombies. Mais. Je fais de la merde. Mais putain, mais prenez la chaîne là. De bâtard. Petit bâtard. Et en vrai, quand tu regardes hein, ce qui a été rajouté à D-Machine, je trouve que les sous-sols, c'est pas dégueulasse. Il y a une bonne ambiance pesante quand il n'y a pas le courant. J'espère, Benji. Pas d'un, c'est juste que ça se trouve en ville, hein. C'est juste ça. Hein. Et qu'il y a un carrefour, du coup. Là, c'est juste ce qui fait penser, hein. C'est tout. Max Ammo. Ah, ça, je préfère Sudbo 4. En fait, ce qui est chiant pour Cold War, je trouve que tu dois monter les niveaux. Si tu veux débloquer Camo, c'est forcément hop, tu montes les niveaux. En Bo 4, t'as besoin de monter les niveaux, tu pouvais tac tac tac, niveau, c'était que les accessoires. Je préfère largement ce système. Et au moins, Dark Method Bo 4, il était long. Ah, comme si de Cold War zombie. Tu peux claquer une arme en. Genre, tu commences niveau 1 l'arme, 1h30, t'as la maîtrise, t'as tous les camos et t'as le niveau max de l'arme. Avec du double XP d'arme, bien sûr, avec les strats comme il faut. Ok, insta x2. Attends. Je pense qu'il faudrait que je laisse un peu sortir pour les bonus. Si je veux pas casser mon cycle. Ok, nuke. Il manque que les max. J'arrive. Je pense que j'aurais pas dû jouer Insta, ça va me casser mon cycle. Ouais. Oh putain, les max, oui! Hop là! Mais pas le Mordorion. Oh, le Mordorion. Refonta! Comment est-ce qu'il va le couscous intergalactique? Ah! Tiens, des mousses. Max x2.
Next for the nuke. Insta. T'es sorti, c'est bon. Allez, les faux zombies mouraient. C'est bon, la game est lancée. Dans le cas où, hop, s'il y en a qui glissent comme ça, petite sécure. Ah, ça y est toi, des mousses, comment est-ce qu'il va le beau mal? Mikaga, quand tu connais bien 3h30. Moi, vu que je suis un peu plus slow, que je connais pas encore bien par cœur tout ce qu'il faut, c'est plus du 4h-4h30. Je l'insta comme ça en vrai. Je suis moins efficace, mais au moins si je vois des bonus pop, enfin les zombies sont sortis donc ça peut me drop les bonus. Ok, nuke. Tu sais, c'est encore limite, tu vois, pour les 4 bonus en une manche. Et j'ai pas envie, là j'ai calé mon cycle, ça me ferait trop. Ça me casserait trop les couilles de devoir aller faire un charpentier et tout. Ah, ma tête. Et stop là les bonus. Max. 10 x 2, allez. Let's go. Merci beaucoup Wizip pour ton sub gift à Aronas. Merci à toi, tu régales. Oh le salaud, m'a mis une flaque sous le cul. Merci pour le gift et le soutien, c'est ultra plaisir. Et Hippo TV qui lâche son petit roster du 5ème mois aussi, merci à toi. Merci du soutien le chat. Ton boule fiac préféré. Ton boule, le boule, ah c'est mon fiac. Quand est-ce qu'il tient à Bocas? Ah ma tête, oh putain, c'est chiant, c'est bon la migraine, casse-toi. Tu prends un Doliprane, casse pas les pieds. Faut pas qu'on choque. Alors Alton, tous les persos de BO2, hein. C'est terrible. C'est des pipelettes. C'est des putains de pipelettes. Et d'ailleurs, merci Supra Dragon pour le follow. Et mon Giro, c'est comme ça. Et Gigi. Merci mon follow. Ça va tranquille, Hippo, écoute, tranquillement, base tranquillate. De tranquillade. Mais c'est tellement le sang d'Airise, il faut quand même que je reste focus pour pas que les zombies me submergent. Et j'ai une migraine, du coup, je suis pas du tout dans la game. Oh, pour lancer un run, c'était le pire soir. Mais je me suis dit, ouais, vas-y, rien à foutre, je lance quand même. Je suis débile. Bon, moi, comme ça, je traîne un peu la strat. J'apprends tout le dire, de la flaque et tout. Ok, le mun. Faut deux, ce serait bien qu'il pop, là. Enfin, qu'il tombe. Ouais, hop. Let's go le x2. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la chasse. Ah, oh, j'aurais pu monter, je suis con. Eh, oh, je suis à l'ouest, c'est terrible, hein. C'est bon, cycle de bonus conservé. Non, Mikaka, t'attends la fin de manche et t'y retournes. Voilà, c'est tout. Bon, alors t'attends la prochaine manche de Gouloum. Vu que les manches de Gouloum arrivent quand même assez souvent.
Le mieux, ouais, c'est d'attendre la prochaine manche de Gloom. T'as vraiment pas pris le coup de la chaîne, toi, t'es le dernier. Le salaud, le malandrin. Comment ça, les caca, comment tu gères? Comment, quel est ton cycle en gros? Bah, en gros, dis-toi sur Dire Eyes, t'as toutes les fenêtres fermées, t'as que 4 bonus. Nuke, x2, mort instant, max. Voilà. Et sur Call of, tu peux avoir que 4 bonus par manche au maximum. Du coup, le but en fait, c'est que t'essaies de t'organiser pour que par exemple, je sais pas, tu finisses un cycle. Genre, par exemple, je sais pas, je me dis, tu vois, par exemple, à la 41, j'ai que 3 bonus, ça finit le cycle. C'est-à-dire que du coup, après, si je tombe, les 4 bonus tombent, bah, j'aurai que les 4 bonus tout le temps comme ça. Je sais pas trop comment t'expliquer, faudrait que Toz vienne expliquer. C'est vraiment, il a réussi à m'expliquer super bien, j'ai compris direct. C'est pas facile à expliquer, franchement. En gros, faut que t'essaies de caler, genre, au bout d'un moment, genre que, bah, pendant une manche, t'es les 4 bonus comme ça. L'insta, la nuke, le x2, les max. Et comme ça, tu te dis, bah, à chaque manche, t'auras au moins un x2. Et plus une insta. Et l'insta, ça régale, hein, quand tu peux enchaîner. Bien, je comprends pourquoi je tire en bas, y'a tous les bonus. Juste l'insta. Et j'arrive à me poser entre les deux fenêtres, ce serait cool. Oh, si je fais pas de la merde comme ça, ce serait bien aussi. Donc voilà, c'est très dur à expliquer, franchement, le cycle de bonus, tout ça, c'est... Que dites-vous, en gros, les cycles de bonus, bah en gros, t'arrives sur la game, t'es au cycle 1, on imagine. Voilà. En gros, t'imagines, t'es au cycle 1 de bonus. Et par cycle, tu peux avoir une fois chaque bonus. Donc c'est-à-dire que, par exemple, au début de la game, t'as un charpentier, tu vois, en gros. Donc c'est-à-dire que ton premier cycle sera considéré, constitué aléatoirement, bien sûr. L'ordre des bonus est aléatoire à chaque fois. Charpentier, insta, double point, mune, nuke, je crois que j'ai tout dit. Et en gros voilà, une fois que t'as eu les 5 bonus du cycle, en gros, le cycle redémarre. C'est-à-dire que tu peux rechoper les bonus encore une fois dans un ordre totalement aléatoire. Ah, ils sont bloqués en haut, merde, j'ai fait de la merde. Ah, c'est moi, ils descendent. Et puis la flaque. En gros, sur Dire Eyes, ce qui est cool, c'est que du coup, t'as pas de braderie. Parce qu'il y a que 3 emplacements de boîte et du coup, t'as pas de braderie. Et en plus, ça, pour que, en gros, les charpentiers hip-hop, faut que t'aies au moins 5 fenêtres ouvertes. Donc c'est-à-dire que si t'as aucune fenêtre ouverte, t'auras plus de charpentier. En gros. Du coup, ce qui fait qu'au final, il te reste que 4 bonus sur la race à avoir. Tu peux avoir 4 bonus par manche. Ce qui fait que du coup, si t'arrives à caler ton cycle, tu auras littéralement... Oh là, j'avais pas vu cela. Les 4 bonus dans la manche. Par contre, j'ai pas eu les max, je crois, ou je les ai loupés. Alors, j'espère que je les ai pas eu, par contre. Au cas où, bah, je vais la sûreté. C'est 2 fenêtres, pas le cas, je sais plus, je t'avoue. 4, 2, je... ouais bref, c'est un certain nombre de fenêtres inférieur à 5 en tout cas. On va tirer là au cas où, mais je crois que le max je l'ai pas eu et j'espère qu'il va tomber. Ah, c'est 4 bonus par manche, c'est ça. T'as 4 bonus par manche, tu dis. Maximum. On compte en bassement, vu qu'il n'y a pas ces zombies, tu peux en avoir 1, 2, 3 quoi. Le chat, les munes, je les ai loupés ou pas? Je fais gaffe à la flaque. Si, t'as eu le mune max? T'es sûr? Pas 13? Ah bah oui, j'ai pas vu mon nombre de balles, oui! Oui, c'est bon, je suis rassuré. Je suis à l'ouest, vraiment, je vous dis, avec... La tête... tête, elle est cassée. Elle est cassée, la tête, actuellement. Cette misère songe. Donc là, vu que mon cycle de bonus s'est calé, bah... En général, là, les 4 bonus après la 50 sont solo, ils tombent, forcément. Sauf si je tire trop à... voilà. On va dire 60, c'est sûr, je serai tranquille, j'aurai assez de zombies pour que les 4 bonus tombent. Et voilà. Je me suis dit que là, du coup, j'aurai une insta et un mune par manche. En sachant qu'il y a les goulons en plus. C'est ça qui fait en fait Diris est pété quand tu cales bien ton cycle. Tu peux jamais être à court de munitions et le cycle est pété. Et en plus de ça, t'as une manche... qui accélère un petit peu la game, c'est la manche des goules, une manche spéciale, c'est tu là en run, t'es... Oh putain, une manche rapide. Euh,
Ah, pas le cas, ça. Pff, alors, ça, c'est les données. Ça, c'est pour Kenshin, c'est pas pour moi. Ouais, mettre les clés morts contre le mur. Les clés morts, en gros, ça me permet d'avoir une petite sûreté. Ok, je crois que je vais tout avoir là. Non, j'ai eu tous ceux qui m'intéressaient, du coup, je vais faire ça. Ah, j'ai chopé la nuque. C'est le démon. En gros, c'est pour les Gouloums. Là, on sait jamais, tu vois, par exemple, je spam pas mal à la haine. Je sais pas, je loupe en min-max. Bam! Plus de munitions dans la N94. Comment tuer les Gouloums? Avec le Silky, tu peux, c'est chiant, mais du coup, au moins. Je ramasse juste une clé mort au mur, je pose, ça tue le Gouloum. Voilà, c'est juste une question de sûreté. Enfin, c'est surtout en no power, en gros, que ça t'intéresse, les clés morts. Surtout avec la strat no power. Ah, je vous dis là, sur, je commence à être un petit peu bien renseigné. Merde, pourquoi je tire pas là-haut? Moi, je suis con. Bien renseigné, Latos il m'a fait un topo, les gars, je suis à fond. C'est en gros pour Dairas, pour taper le World Record maintenant, ce que les joueurs font, c'est qu'il a joué en no power. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans le jeu, t'as une limite d'entité, qui fait que souvent tu reset, tu crash ou quoi. Et en fait, t'as des entités qui sont générées à cause des ascenseurs qui montent, qui descendent parce qu'ils tuent des zombies. Du coup, maintenant, les mecs qui tapent des records, ils la jouent en no power. Et du coup, pour les Gouloums en no power, ils mettent des clés morts sur le mur. Comme ça, au moins, ils peuvent tuer facilement les Gouloums. En gros. Voilà. Salut Tenshido, comment tu vas? Ouais, t'es bien, ouais, ça. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. C'est bon, j'ai plus la flaque sous mes fesses. Ok, bon. Ouais, c'est ça. La variable qui dépasse la valeur maximum, exactement. C'est ce qui cause les resets, etc. Voilà. C'est que la variable. Enfin, non, pas le reset. Si, le reset, je sais plus. En gros, ce qui fait aussi que c'est une histoire de variable, histoire des insta sur bureau. Manche insta. Y'a raison sur BO2 les manches insta ou pas? Je sais même pas, tu vois. Je suis jamais intéressé. Moi, la survie, ça s'arrête à BO1. BO2, c'est là où j'ai commencé à relâcher la survie parce que voilà ce qu'on commençait à avoir. Genre, je faisais une petite manche sans et après, voilà, tu vois, je me prenais pas la tête. J'avais un sondage, comment ça? Ok, on est une fois deux. Ah, ça râle, mais c'est la nostalgie qui... Oh là! Casse un peu les souvenirs certains, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, maintenant la survie, c'est plus comme pareil, enfin comme avant. Avant, regarde Black Ops 2 et sa survie. » Ouais, non, non. Le 2, c'est là où ça a commencé justement à... Ah, bonus, max. Ah, les max un peu risqué là où elles sont. Je pourrais balancer un singe au pire, un monkey. Tout ça va le faire, je vais tenir en mune, hein. Je rendrai le max de la prochaine manche. Nuke aussi. Super clean style, elle est pop derrière. Tu sais, ce que là, une salle me mettrait bien. Ouais, je peux tirer en haut, pire. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, à l'époque de Black Ops 2, etc. C'est bon. Sur Ubio 2, c'était là où justement ça a commencé. C'était pas aussi abusé que maintenant, les strats, c'est sûr. Mais c'était quand même là où, avec Dire Eyes, les strats, camp, tout ça, ont commencé à apparaître. Bah, je pense que j'ai eu l'insta, j'espère. Je me rends pas que si j'ai une double insta à cette manche, je pleure. Je pleure. Ouais, Realtime, ouais, totalement. BO1, c'est le code de la survie. BO2, c'est plus First Room. BO2, ça a vraiment été un code, bah, First Room Mob. Hein. Même Origin, ça a été incroyable. Attends, une insta comme premier bonus, ça me rassure pas. Ok. Attends, on va rester là pour voir les bonus pop quand même. J'espère que l'insta j'ai loupé et qu'elle a spawn derrière. Ok. Donc là il me resterait le x2 du coup. C'est bon. J'ai loupé le à mon avis, l'insta elle était derrière. Genre derrière la... Dans la petite zone là. J'étais pas sûr, je suis... Attends, non, non, le cycle, non, non, s'il te plaît, bon, reste là.
Ouais, faire son shadow aussi. Ouais, c'est sympa. Bien hardcore, bien tendu. Non, mais caca, ouais. Faut quand même rappeler que quand même incroyable. Hein. J'ai plus c'est qui a tapé World Record First Room d'Imashino. Mais c'est World Record First Room et High Room de la map. Ça, c'est démentiel. Hein. Ça reste simple, mais ça reste quand même une perf. Genre, le mec, il a tenu 172 heures, quoi. Voilà. Après, je peux plus faire des trucs comme ça. Je me fais vieux. Super, Jiwol, j'étais content. C'est pas Pikachu qui l'a fait? Pourquoi c'est Pikachu? J'ai peur de dire une ânerie. Ok. Non! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Frère! Oh, il a fait trop peur, j'ai failli mourir de sa faute! Le mec, il s'est dit, ouah, si je vais glisser à un endroit qui va lui casser les couilles. Vas-y, je prends pas de risque, hein, là, j'ai eu trop peur. Je suis pas petit du coup pour l'insta, mais frère. Pas le cas, j'en ai aucune idée. Je sais qu'en contagion, il y a un mec, il a réussi à faire. Oh non! Oh. Ah, plutôt, pourquoi il y a les commandes activées? Non! Putain de plutonium, va te faire foutre! Oh, j'ai la haine, c'est bon! Pourquoi il y a les commandes sur plutonium qui sont activées comme ça? Mais gros! Oh, je vais pleurer, mais non, mais vas-y! J'ai trop la haine, là, c'est bon! Putain! Je savais pas qu'il s'active de base sur Pluto! Oh, j'ai le démon, j'ai vraiment le démon, le chat! On peut pas les désactiver dans les paramètres! Eh, hey, j'ai oublié que j'étais sur Pluto, pour moi j'étais sur Steam, j'étais en mode, ouais, bah tranquille, c'est bon, tu vois, je m'en fous, je fais pas gaffe aux touches. Oh non, mais non! Oh, j'ai pas envie de continuer la game. Hein. Franchement, j'ai pas envie. Donne à la 56, c'est bon. Frère. J'ai trop le seum. Vraiment, là, je suis... pas dans les options. Genre, commande. Ah, tiens, y'a pas de raison de karma, en fait. Y'a pas de... enfin... y'a, faut vraiment arrêter de dire karma, tu vois. Genre, y'a eu aucun... j'ai eu aucun truc, y'a... ils ont... c'est chou, certains, quand même. Je pense que tu peux pas. Putain, pourquoi ils activent les commandes de base, frère? On peut pas les régler dans... je mets ça sur F12, tu vois. Look, non, interact. Ah, je déteste ce truc de commande actif, je déteste ça. C'est vraiment la pire création. Pas le petit 2. Ah, qu'ils aillent se faire foutre. Mange des goulons, vas-y, on reprendrait A. Vas-y, je vais continuer au pire, puis on ira jusqu'à la manche où on va. Trop mal au crâne pour relancer. Mmh. Ouais, c'est ça, Real Tom, c'est pour ça que j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il baragouine, lui? Ah, c'est trop chiant. C'est pour ça que les runs par exemple BO3 j'y fais jamais, tu sais, par exemple avec, je sais pas, un mode d'arme ou un truc comme ça, parce que sinon je sais qu'à tout moment tu cliques sur le 2. Ah, bah t'es niqué. Vas-y, j'ai reposé 7 points, je pense. La même sur plutôt, bah ouais, c'est trop chiant, J-Wall. Du coup, j'ai perdu mon mini masto en plus à la 5. Oh non, mais frère. Tout ça à cause d'une putain de touche! Parce que j'ai oublié que j'étais pas sur Steam!
Non, c'est pas la faute de Plutonium, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui... Pourquoi il y a une faille de sécurité dans les codes Steam qui font qu'à tout moment, tu te fais pirater ton PC. Parce qu'Activision ne va rien faire, et ça c'est un peu plus chiant, Acti, les gars, quand même, il y a une faille de sécurité sur tous vos jeux Steam, vous pouvez vous faire hacker votre PC, donc bon, allez ref, faudrait peut-être songer à faire un truc. Bien sûr, Aizen. C'est pas le last? On va le faire repop au pire. Ah bah Gio, tu vois, ça me rassure de voir que je suis pas le seul. Hein. T'as niqué ton cycle? Non, non, Mikeka, non, non. J'ai eu les 4 bonus, voilà. Mais il était bugué là, depuis tout à l'heure, le ref. Oh mon pauvre. Oh, depuis tout à l'heure, il était là. Tu nous attendais, il était en mode... Ah, faut pas monter, hein. Ouais, pas le cas, faudrait... Mais je sais même pas si c'est possible, tu vois. Je sais pas si c'est possible de pouvoir... Ça, dans la tête, tu sais, j'étais sur Steam, genre, j'appuie sur toutes les touches, je m'en bats les couilles, tu vois, je fais pas attention à s'il y a les commandes ou pas. Tu vois, BO3, par exemple, en custom, je fais attention avec les commandes, vu que, tu sais, si tu mets un... voilà, en custom, t'as les commandes actives. Donc, je fais quand même plus gaffe. Là, tu vois, genre, je m'en bats les couilles, tu vois, parce que ça m'arrive souvent, j'appuie tout le temps sur la commande. Là, perdre mon Nimasto là-dessus, frère, c'est bon, ça casse les couilles. Non, Mikaka, mais c'est juste que là, je suis même pas la moitié de la game en termes de temps et tout. Toi, la moitié de la game, c'est environ à la manche 72. Une perte d'une réa dès maintenant. Ça fait chier, quoi. Putain, j'ai rappuyé. Non, mais je vais me foutre en l'air. Hein. Faudrait que je vire ma touche au pire. Au pire, je vais faire ça. C'est déjà répondu, Aizen. Ils sont dans les problèmes, c'est qu'il m'a tout changé d'arme, c'est juste à côté de ça. Attends, je suis con, pour les bonus, attends, je m'en fous, il reste que la nuque à avoir, je crois. Je vais mettre la flaque en haut. Ouais, ce que j'allais dire, Versailles, je crois qu'à la fin de la manche, je vais mettre pause, j'ai cherché l'outil, elle va dégager. Le problème, c'est que j'ai autour, j'ai le tab, et en plus, m'a tout changé d'arme. Genre, les deux, ils sont autour. Ouais, c'est ça, mais quel problème, c'est que oui, bah, s'il y avait réa illimité, je serais allé racheter une réa, j'en aurais rien à foutre, tu vois, j'aurais fait, allez hop, réa acheté. Ça dégage. Là j'ai trop le démon d'avoir perdu une réa comme ça juste parce que je suis trop con et que j'oublie que je suis pas sur Steam. J'ai oublié ce détail. Hop, attendez, cherchez mon outil. Alors. Putain, c'est le truc de mon clavier de qui. Hop. Ah, voilà. Hop. Bah ouais, c'est ça, Realtom, j'ai plus Minimasto, c'est... Bah, 56, quoi, juste à cause d'une erreur conne, j'ai trop la haine. Putain. Bien sûr, Amikaka, tu prends 6 claques au lieu de 5. Moi, comme ça, le chat, vous aurez vu comment on fait pour aller rechercher l'area. T'as une manche de Gouloum, et c'est reparti. Brûle la main. Ouais, non, je vais quand même la garder si j'en ai besoin un jour, tu vois. Du coup, là, je me rends 5 au lieu de 6 en termes de claques. Ce qui est très chiant. Attends, non, pour l'instant, c'est complicado. Toi t'es trop beau Realtom, va. En termes de mun, vas-y, j'ai la fin de prendre celle-là. Je crois qu'il n'y a plus la flaque, moi je continue à sauter en mode... Une petite pépite, vas-y, attends, là c'est bon.
Et deux flaques posées. Oh, stylé, Narbonne, ce que tu m'as envoyé. Oh putain. Et la nuque, les 4 bonus. C'est toi, t'es Boréal Tome. Reste souvent, quand même, faut claquer le sang, mais ça me fait chier, tu vois, j'aime pas. Les games où je meurs. Vraiment, où je meurs. Avant, tu vois, la 75, enfin 70, on va dire que c'est après la moitié de la game, j'aime pas. Donc, je suis en mode non. Non. On va quand même jouer, tu vois, pour la rediff YouTube. Tu vois, comme ça, au moins, il y a la petite rediff du run. Peu importe la manche qu'on fait. Au moins de 75, pas de rediff par contre. Ah, Perlo, bah ouais, c'est très 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 grave. En vrai, heureusement quand même qu'il y a des plutoniums, etc. Bon, le missile a gigolé sur plutonium parce qu'il y a cette putain de touche, j'étais pas au courant qu'elle était activée de base. D'habitude, tu vois, par exemple, pour l'aléatoire, genre, mais sur jeu classique, il fallait que tu actives la commande toi-même. Heureusement qu'il y a des plutoniums ou quoi, parce que sinon, bah tu pourrais plus jouer aux anciens codes. Hein. Et c'est chiant, on va pas se mentir. Realtime Origins. Origin. Bon, hop, 2 secondes. Hop. J'ai fait ma petite pub. J'ai des petits coups de scratch parce que c'est ressenti avec le boîtier d'acquisition. Ça a fait peur. Parle de quelle touche, cette touche de brin. J'ai un mec qui meurt celui-là. Oh merde. Allez, petite Max. J'ai pas envie de tenter le diable avec l'insta en vrai. Là j'ai envie de me la jouer safe, mais si on prend plus de temps. Vu qu'il pue mini masto. Quelle map tu préfères run? Pff, je trouve les plus belles en run, c'est genre dépôt. Ouais, c'est la plus belle en run. Genre ultra hardcore, tu vois. Ou Shang aussi qui est magnifique à run. Je sais pas, moi à run, j'ai pas de map. J'ai pas vraiment de map en mode ouais, celle-là j'aime bien la run. Justement, c'est ça qui est trop bien, Mikaka, c'est que c'est la map survie pure et dure, tu vois. Trop beau. Ou 5 aussi. Oh, le top 3 des maps run en vrai c'est dépôt, 5, Shang, tu vois. Bon, franchement c'est voilà. De quoi qu'est-ce dessus? Les maps les plus dures à run, je disais dépôt, Shang, 5. Ouais mais Sun aussi map c'était trop bien ça. Autant j'aime pas tu vois le délire du comment on fait les secrets de chemin tortueux. Autant par contre le fait d'avoir mis ensuite des petites maps survie juste classiques, c'est incroyable. Ah oui, caca, c'est 5 et l'une des maps les plus dures à run. Par contre, du coup, je suis désolé au chat, mais ce soir, il n'y aura pas de Destiny exceptionnellement en stream. Généralement, vous savez, à 2h. Oh là là, je commence à partir. Parce qu'avec ma migraine, comment vous dire que la flemme. Après le run d'Irise, on coupera. Il est que 23h. Oh ouais. Oh, je suis bien.
Attends, ça glisse un peu en bas, hop. Ah, même Mikika est la même. Très largement. Ça, ce qui manque sur les Call of en général, c'est des maps survie classique. Pendant 2, ils ont trop fort grosso modo de base. Ensuite, bam, 3 maps survie classique. Genre, tu as des petites maps survie pure et dure. Ça manque en vrai. Mais là, ça aussi, c'est un bon aspect. C'est genre town, dépôt, farm. C'est trop bien. Map survie hardcore, tac. Pas de Wonder Weapon dessus. Ah, j'en ai entendu parler, Nexus. Ouais, ça aurait été trop bien, Mikaka. Je parlais, c'est un de mes subs pour Cold War. Juste un art fermé. Ils avaient juste à fermer les portes en plus, tu vois. C'est bidon. Petite map survie en plus classique. Let's go, fin de manche. Totalement pas le cas, c'est trop bien. Stone à 2 dépôt 37, c'est déjà vraiment pas mal du tout, hein. Honnêtement. Elle est dure dépôt hein, à faire. Pas d'atout, pas de pack à punch, les zombies qui explosent. Je sais pas où ouais, ça reste du quasiment 250 000 à chaque fois. Ah, oh, on est concerné en plus, ouais, bah là vous êtes courageux. Ouais, bon. Ah, quelqu'un, mais pourtant, c'est un, franchement, le mode contagion survie, j'ai été agréablement surpris. Genre, si ouais, ça va être un petit mode, c'est temporaire, ça va pas être. Voilà. Et au final, putain, grosse claque, hein. Je kiffe. Ça me fait chier de prendre la nuke en vrai. Même si elle insta. Après, si je gère bien, je peux mettre un coup là. Ah non, l'insta là, pop avant. Bonjour monsieur. Voilà, ça a flaque à ma gauche, j'aime pas ça. Non, la survie de Beodo, pour moi, dépôt mille fois. Dépôt, c'est vraiment la survie hardcore, pure et dure, c'est la plus. Vraiment la plus belle à regarder. Incroyable. Preton, c'est la plus simple, hein. Pack a punch. Il y a beaucoup plus de place. Ça a plus qu'il est down. Dépôt, pardon. Salon, il a pas de. Il est tombé devant moi. Il est au moins, je tire quoi. Chier. Let's go. Ouais, j'y vois, elle a quand même pas mal galère, ça reste quand même plus simple que dépôt. Non, William, justement, c'était trop chiant avant. Là, c'est plus pratique au moins, tu prends pas la tête. Je pas maintenant. Il y a assez peur là.
Ah, ça a flaqué au-dessus. Chier. Tiens, j'ai pas le mieux à ce manche, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas très important encore. C'est ça, quand tu as. Merci beaucoup pour les 145 bits. Tu régales. Merci à toi. Salut Flapix, je kiffe ce que tu fais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Eh bah, bon anniversaire à toi, beau gosse. Bon anniv, mon BG. Vas-y, Flynn, d'aller chercher les mines. Je pourrais balancer un singe et pour l'instant, j'arrive à tenir. Tranquille. Ah, mais t'as vu Narban, c'est incroyable. C'est insane. Bon, au cas où. Et Sauron le savent faire Mikaka, merci beaucoup pas mal pour ton soutien. Eh, c'est son anniversaire, c'est toi qui dois avoir des cadeaux, pas moi en fait. Merci beaucoup en tout cas, ça fait très plaisir le soutien. Merci pour le sub gift. Tiens, c'est un peu long. Quoi? Ce n'est pas le plus rapide de l'histoire de Call of. Enfin, jusqu'à BO3, quoi. T'as fait peur celui-là, j'ai pas vu qu'il y avait push. Alors vraiment, cette map, hein, pour du truc époque BO1, BO2, c'est clairement l'une des... Ah, une des maps les plus fast, hein. C'est ouf. Je fais de la merde, on... J'arrive pas là, mon cerveau, la migraine, elle est en mode nananana. Je fais de la merde. Tombe. Ah, j'arrive pas. Oh non, pas la nuke, non, mais pas ça, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai un zombie derrière moi ou quoi? J'ai zombie au top, ok, j'avais pas vu. La nuke, elle a failli foutre la merde, malandrine. Pourquoi je suis en haut? Mais putain, frère, il se passe quoi là? Calme-toi le jeu. Nuke de brin. Là au moins l'Insta ça m'a permis de skip la manche un peu plus vite. Vous voyez le nombre de zombies que tu tues à la seconde, hein, avec l'Insta dans les deux fenêtres, c'est ouf. Pourquoi je saute, il y a plus de... Eh là, je suis à l'ouest. Non, pas ce bug, putain, c'est chiant, les zombies qui passent au-dessus de ta tête, là. C'est vraiment relou. Pistolet à savon, comme tu dis, mais qui est l'une des armes les plus cheatées de l'histoire de Call of, hein. La nuque, elle m'a foutu dans la merde sur tous les points. Ça, j'aime pas les prendre. Là, je galère, je suis pas dedans. J'ai le crâne en miettes. Mm-hmm. 250 000, William, à la banque. Et tu peux retirer avec 200 000 vu que t'as 100 points de taxe à chaque fois que tu retires. C'est du savane de Marseille, bien sûr. Oh bah let's go. Tu te manges free. Max Hammer. C'est toi Dartag, comment tu vas? Faites limite quand j'ai nuke, faudrait que j'envoie un singe. On est bientôt à la moitié de la game.
some kind of record. Ah, phase transformation. A joyously abrupt change in your physical properties. Solid becomes liquid. Ken Yuke, c'est cool si elle tombe en premier. Il y a un zombie qui a flaqué un peu trop proche de moi. Normal les cagas, c'est la plus simple, c'est normal. C'est la plus jolie. Faire de gameplay des pots. Hop, oh kill. J'aime pas ça, je sais pas comment ça se fait. Ce game, ils tombent beaucoup par là, les zombies. Et par là. Pas mal qu'elle ait ma flaque. J'ai pas encore le coup correct du Slicky. Kika d'ailleurs, est quand même. Transit, c'est vraiment l'abomination pure et dure, quoi. Ouais, totalement Mason. En cas où. Ouais, j'ai bien une flaque sous moi. Non, non, j'y suis, non, non. Du tout. du tout, quand même. Meurs, ok, je comprends. BOD, c'est First Room Mob. Origins, secret d'Origins. J'aurais juste servi à les tuer. Comme ça. Parfait. 68, je vais me faire un petit aller-retour aux toilettes, le chat, je reviens. Ouais, j'y suis, toujours. J'y vérifie toujours justement pour éviter ça. Hop. L'avantage de pisser assis. Ah, mais attends, c'est la musique du prochain best-of là. Ben ouais. Mais sauf qu'il sort mercredi, le chat. Il s'agit rien de mourir, monsieur. Merci. En plus, knock trop fort. Ah, dommage qu'il installe, c'est tombé en haut.
Je peux tenter un petit move. Ça. Hop. Oh non, il y a la nuke sur l'endroit où je saute. Oh la haine. Oh non. Putain. Ah du coup, je vais prendre le risque de prendre la nuke, ça me fout trop dans la merde. On va juste tuer comme ça. C'est déjà très bien. Non, c'est, ça représente la moitié du best-of Everside. Même il y a une autre moitié qui n'est pas des bugs Cold War. C'est pas une compilation de bugs quoi. Merci quand Kenjin il reçoit une compilation de bugs là. Oh non, le petit malandrin. Je vais le soulever ce zombie. Vas-y courage Redox, merci d'être passé en tout cas. Bon courage pour demain. Tintin. Un flac en dessous, tu peux partir. Merci. What? On se fait que toi t'as... Bah mon ref. Vas-y, on prend pas de risque. Oh non, ça tombe de mon... devant moi là. J'aime pas ça. Oh. Elles sont rapides les manches, hein. Zeus, je crois, à 153. Vu qu'elle a 101. Le 100-101 à peu près. Le sticky one shot plus. Oh l'insta. C'est bon la flaque. Risquer les munes. En mune, je peux largement tenir jusqu'à la prochaine en vrai, tranque. C'est peut-être qu'après c'est les Gouloum. J'ai vu avec les manches les Gouloum la dernière fois. Je sais plus. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, Benji, puis à la 100, de toute façon, j'arrête parce que le but c'est d'atteindre la manche 100 et pas plus. Hein. Je tente pas World encore, j'ai plus la foi pour ça. Ouais, peut-être que je fais, mais là je vais la flemme, j'ai mon nombre de balles, j'ai fait. Surtout à partir de la 75, ouais, là toutes les mines je vais jouer par contre. Là je suis encore en mode bon. Yarn. Ah non, j'ai cru que c'était la fin de manche. Pas du tout. Reste 30 balles, c'est indécent. T'as rendu grand n'importe quoi. Ah non, du coup il a flaqué à gauche. Ah mais j'ai peut-être en double chaîne, attends. Oh, oh je suis en double chaîne. Ouais ça va Frizy, un peu de migraine. Un peu chiant. Passer dormi cette semaine, c'est pour ça surtout. En fin de manche. J'aimerais pas flaquer en haut, j'aimerais qu'il descende. Descends s'il te plaît frérot. J'ai un peu de temps mais bon je m'en fous. En petit confort de début de manche. Non Alex, c'est bidon, c'est die rise. Hein. Hop. Merci beaucoup Soro pour les 1000 bits. Merci à toi beau gosse.
dernier cadeau pour le meilleur joueur zombie. Ah, je te jure, je vais être un zombie. Main grasse, mat, rien à foutre. Non, je suis pas le meilleur, c'est bon, il y a des joueurs bien meilleurs. Toast, Furet, Slayer. En France, on a vraiment surtout sur BO1. On a des joueurs monstrueux, hein. C'est démentiel. Moi, je suis loin d'être le meilleur. Hein. On va dire que je me débrouille, tu vois, en zombie. Genre, je connais bien les bases. Les strats, ça va, je suis un peu, comme on appelle au milieu, un fast learner. Genre, j'arrive à vite quand même à assimiler la strat. Mais je suis très loin d'être excellent, hein, très très loin. Tu mets sur un 5, mon pote, bon alors là c'est fini, je fais mange 30 et hop, je fais soulever. Allez, on est bientôt à la moitié de la game, le chat. Non, tu en es pas du tout, absolument pas. C'est vraiment de très très loin, non. Pas checker Slaya, Furet. On pourra faire son mob, tu regardes Toz. J'ai une véritable tange par rapport à eux. C'est vraiment. Presque super que Phoenix soit, enfin, ouais, c'est. Furet, c'est Phoenix, quoi. Et je suis habitué à l'appeler Furet, hein, depuis son rename. C'était dur au début. PH3NX, le GOAT. Ouf, oh bah lui, ouais, t'as bien fait le ban, mais ça n'a même pas time out, là, c'est. What? Pourquoi ça a pas pris la balle de Silky? Je pense qu'honnêtement, je vais pas m'avancer, mais je pense que la commu FR, c'est quand même en termes de run sur BO1, je pense que c'est vraiment les meilleurs de loin, je pense. Mais des bons joueurs aussi côté anglophone et tout, mais FR, c'est. Un francophone, hein, je parle la francophonie. On a vraiment des putains de bons joueurs, quoi. Non, Soro, je sais que c'est pour faire plaisir, etc., mais croyez-moi, ça sert à rien de dire ça parce que c'est pas le cas en fait, c'est. Voilà. Mais merci beaucoup pour le cheer, ça fait plaisir, mais c'est. Non, c'est. Je sais pas, du tout. Alors que c'est que c'est pour faire plaisir, mais ça fait pas plaisir, ce. Voilà, je vous dis. C'est pas. Non, c'est. Non. Kizati, il y en a plein. Comme j'ai dit, les deux qui me viennent en tête, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, enfin, en termes de run et tout, moi, je suis vachement, tu vois, Black Ops. Genre, moi, les runs, c'est vraiment Black Ops, et pour moi, c'est, je pense, c'est le meilleur FR, c'est Furet et Slayer, franchement. Après, à plein de monde, ça dépend, parce que, tu sais, tout le monde ne joue pas sur la même catégorie, genre, Toast, tu vois, lui, c'est plus Fersou, mais surtout Fersou Mob, qui actuellement est, en coop, le meilleur joueur du monde, vu qu'il est le world record. Les runs sont. Ah ouais, non, mais totalement. Je me suis rendu d'accord. Mais ouais, c'est le plus beau en run, de toute façon. C'est le plus beau à mater. Mais je pense là, tu vois, j'ai fait une vidéo. J'ai trop envie de faire, tu vois, des vidéos comme là. On a fait des vidéos, tu vois, plus basées sur les records, tu sais, les trucs à l'ancienne des gens qui ont découvert Zombie Cold War ne connaissent pas forcément. Bon, tu vois, avec Toz, on a fait un petit débat en faisant une faire son mob, tu vois, on a débattu de la faire son mob, du coup, on a parlé de ça, tu vois. Et j'aimerais trop faire ça sur plein d'autres choses, genre me tenter un. Là par exemple, tu vois, on a parlé de la nostalgie avec le run BO2 d'Airaze que j'ai fait en vidéo. J'aimerais trop faire ça sur plus de maps, genre plus de trucs. Et genre, j'aimerais faire tu vois, une vidéo run BO1, genre en mode la map la plus dure à run, tu vois, je pense à un Shangou 5 ou un truc comme ça. Et je tente un run dessus en vidéo. En même temps, tu vois, je parle un petit peu, j'essaierai de me renseigner un petit peu avant, genre sur les strats, comment ça marche, comment c'était la survie en zombie avant, et surtout mettre en avant des joueurs qui. Et si Furet, franchement, il est une bonne commission, donc quand il fait des runs, il est souvent à plus de spec, c'est trop bien. Et tu vois, ça mériterait plus pour la performance, ce genre de performance, c'est ouf quoi, c'est démentiel. Et du coup, j'aimerais au cours d'une vidéo, genre, tu sais, un peu parler des runners à l'ancienne quoi, des vrais joueurs ultra chauds quoi. Je pense que ça va être la prochaine vidéo, on va dire. J'ai envie d'appeler ce genre de série, c'est les sources du mode zombie. Je sais pas, j'ai envie d'en faire une série, c'est comme le First Room Mob, le run d'Airaze qu'on a tenté pour rappeler que d'Airaze n'était. Enfin, BO2 pouvait être sur certains points quand même pas le code le plus exemplaire en termes de survie de challenge quoi.
Et du coup, là, on a passé la moitié de la game, le chat. Là, je pense que le prochain épisode de ce genre-là sera sur les runs BO1. Je pense. Non, non, J-Wall, tu peux pas comparer. Tu peux pas. T'as des joueurs first room, t'as des joueurs speedrun, t'as des joueurs high round, joueurs solo, coop. Tu peux pas, pas comparer. Après, il y a plus la flaque là. Non, Xati, ça m'intéresse pas. Bah, sur les anciens, c'est juste long. Et sur Cold War, je me fais chier. On avait tenté à la sortie du jeu quand même avec Toz un 200 coop. On a crashé à 199. Et. De toute façon, Cold War, tu tires la manche des super sprinters. Tu fais manche limitée jusqu'à ce que le jeu il crache. Hein. Ah, j'ai mal à la tête. Hein. Ouais, c'est Overside. Je suis en train de bosser dessus. Il y aura une vidéo l'évolution du mode zombie. Au niveau des maps, au niveau tout, au niveau des runs, de la survie, du nombre de zombies, enfin c'est prévu. Mais c'est une vidéo dure à mettre en place et en tête, hein, tu sais, c'est il y a beaucoup de trucs à traiter, à parler. Putain de zombie lent. Non, ne flaque pas, merci. Ouais, c'est ça qui nous suit. Maintenant, les runs, c'est quand même beau. Tu vois, quand t'as un mec qui a lâché en first room d'Imachine 935, c'est quand même énorme. C'est juste de l'endurance. Et moi, c'est pas le truc qui me plaît, tu vois. C'est trop chiant. C'est trop. Non, moi, ça me fait chier, quoi. Genre 170 heures dans une game. Non, merci. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais foutu une flaque sous moi. Attends, c'est surtout de l'endurance les runs en zombie. C'est juste qu'au crash, bug et tout quoi. Trimax là, ça fait. Je dirais dans 1h30, je pense. Merci beaucoup à Pocho pour le sub étendu jusqu'en novembre. Et je lisais le chat, c'est ma faute. Hein. Non, c'est pas ma faute, c'est la faute du chat. Je vais me faire submerger par les zombies. Merci beaucoup pour ton sub étendu, ça fait ultra plaisir. Ok, les max. Et l'insta, on va pouvoir faire ça maintenant. Oh, si c'est bon, il est touché par le sticky. Hop. Merci beaucoup Pocho également pour, je sais pas si ça se prononce Pocho ou Pocho, je ne sais pas du tout, je suis désolé. Merci pour ton subgift à Emmett. Merci à toi, merci du soutien, ça fait ultra plaisir. Non! Oh, le sticky de brun. Ah, c'est la merde, là. En vrai, ça passe. Juste que le sticky parte vite. C'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai un petit coup de frayeur, là, quand même. J'ai pas pensé à checker où était le sticky. Let's go. Ah, soit j'ai une erreur d'attention là, je vous dis, j'ai. Une graine, elle me tape vénère. Par contre, si on y arrive le sang alors que je suis un peu en PLS, ce serait trop beau, ce serait trop cool. Après, là, le but, comme je vous l'ai dit, hein, pour la série Flapix CV sur BO2, le but c'est qu'on tente les manches sang. Et dans tous les cas, après, je pense qu'on retentera un peu plus de manière costaud le manche sang là, tu vois. Là, dans la série, c'est vraiment la série tout manche sang sur toutes les maps en solo. Sur les maps de BO2, BO1, etc., c'est vraiment juste des tentatives manche sang. Après, je pense que je tryharderai encore un peu en live et peut-être qu'il y aura du coup une sorte d'épisode 2 de chaque map en mode je taperai le sang. Comme je vous l'ai dit, Dire Eyes, pour l'instant, c'est pas la map où je suis plus à l'aise, que j'ai commencé à la try il y a très peu de temps. Même pour LG, voilà, là, je te cache pas, c'est vraiment dur. Du crâne, c'est vénère. Mais on tient. Tiens, c'est bien trop critique, j'arrêterai. Pas me forcer non plus, pas me détruire la tête et la santé. Ah oh, vraiment, il reste ces zombies lents de merde. Peut-être il y a Buried qui est quand même plus simple, mais beaucoup plus ennuyante. C'est pas les ghouls?
Non, ce sera 75. Mais ouais, DRA juste après Bullied, c'est la map la plus simple. Sur Biodo, je parle. Mais une fois, là, c'est juste que tu vois, je galère encore un petit peu au niveau des flaques. Tu vois, il y a des moments où j'oublie de remettre une flaque pour pas que les zombies m'agressent. Bon, bah alors là. Et du coup, tu vois, c'est comme ça que je meurs. Ou des fois, tu sais, encore, je lâche clé sur lui, j'arrive pas à bien gérer mon saut pour rester ici. Du coup, des fois, les zombies, je me tape contre les zombies d'en haut et tout. Mais ça prend assez rapidement, faudrait juste que je travaille un peu plus souvent et ça passe large. Vas-y, flemme, Insta. Oh, ce zombie qui a été push. Bah, y'a la nuke, non, laisse tomber. Ça, faudrait que je travaille un petit peu et au bout d'un moment, le manche sur derrière, ça passera. Non. Ah, du coup, ouais, j'ai essayé de prendre la nuke, j'ai pas pu. Ah, tu vois, par exemple, je l'ai essouri. Et j'ai eu très peur, par exemple, voilà. Tu dis, je suis pas encore habitué à ça, faut que je travaille encore un peu. Non, là, j'ai fait, je crois que c'est la 4ème, 5 fois que je tente la map et encore. Première fois, j'y connaissais rien, donc on va dire les deux premiers tries, c'est vraiment en mode découverte, en mode comment ça marche là. Qu'est-ce qu'il y a, Tion? Que veux-tu savoir? Voilà, je peux spam un peu les. C'est qui? Je crois que c'est les Goom après. Ouais, oh, non, dépôt, ouais, même 50, frère, je suis pas capable. Hein. Oh non. Oh, s'il a été touché, let's go. J'aime pas quand les zombies s'enferment là-bas, c'est trop chiant pour la ligne là, faudrait que je fasse du double flak, mais. Quand tu fais un super sprinter, comment ça, quand je fais un super sprinter, tiens. Je. Comment ça? Ah, exactement, l'OPA. Ah, c'est dur! Ah! Putain, je rends deck de la seule donne que j'ai eu tout à l'heure, quoi. Tout ça à cause d'une putain de. Wesh, Guigui! Le vendredi soir, je stream, mais samedi soir, normalement, rien. Voilà, c'est. Le samedi, c'est toujours. Bah, ce soir est télé, soit. Rien, voilà. Non, 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 non. J'ai eu peur qu'il flaque sous moi. Soit à cause d'un petit dos de merde, je te jure, j'ai tellement. Ah, j'aurais pu avoir mis Masto encore. Oh, bon, salut les gars. Salut. Oh non, ils ont pas été touchés. Glenn. Fais un truc privé vendredi, Guigui. Oh bah, je m'en fous, j'allais dire ça me fait chier parce que j'ai une flaque en dessous de moi. Ah putain. Flaque de brin. Vas-y, Dreamax, bonne soirée. Des bisous, merci d'être passé. Ouais, vous êtes vraiment, parce que cette strat elle est ultra face. Hein. Et encore, moi je suis lent parce que je fais un peu de la merde. Genre, je pourrais, tu vois, tirer dès le début ici. C'est vraiment, ça accélère la game. Si tu fais à chaque manche, tu tires là. Tu vois, du coup, les zombies se font tuer là. Alors que tu sais, comme je les tue là au début, bah ils tombent. Et ensuite, ils se font tuer là. Ça fait perdre, tu vois, à chaque fois quelques secondes. Ouais, manche 75. Bah, c'est bon, ça sera en ready flap XV. Peu importe de manche que je fais. Pour BO2, je me dis minimum 75 pour la rediff des tentatives. Ouais, Benji, mais c'est les plus longues. Tu vois. Là, ce que j'ai dit, je viens de passer la moitié de la game à la 72 à peu près en termes de temps. C'est pas les manches Cold War quoi, y'a beaucoup plus de zombies. Cold War, c'est pour ça que je suis plus motivé à faire les 100, tu vois, c'est chill, on stream, tu le tapes en 2 heures. Comment ça, Manuel, je suis sur DRS actuellement là. Oh non. Malandrin. Non, oh derrière moi. Il est où? Il est là. Oh le salaud. Le petit malotru. Le petit margoulin. Désolé, chat, je me fous vite fait, juste le temps, je vais rester là pour l'insta. Petit margoulin.
T'as combien de kills? 11 000. Dis-toi son moyenne 24 000 sur ce map. Non, non, j'y vois, là, c'est fini depuis longtemps, c'est là. La cuve aussi, c'est fini. Il reste que la strat terrasse. Qui est dur à tenir, mais ce qui fait qu'elle est intéressante, un truc qui est dur à tenir. Faut quand même gérer. Flapixé, les gars, je vous rappelle, hein, si vous arrivez sur la vidéo actuellement, là, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, et à vous abonner. Flapixé, on vise les 100 000 abonnés, il faut les 100K sur Flapixé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification de la vidéo tous les mardi, jeudi et samedi. Vidéo zombie bonus par rapport à la chaîne principale, donc c'est cool. Jamais, Naze, t'es fou. Oh, une raclure. Oh, Gadjo là. J'ai une race, je vais pas glitch pour run quoi, c'est débile. Ça me fait chier là, le pack ça me plaît pas là comme il est fait. Y'a un Flapixé, Twitch, si vous êtes pas abonné, si vous voulez des vidéos zombies bonus, custom mardi, jeudi et grosse rediff en général, pack up and challenge, 100% challenge, round 100 le samedi. Et on a 1600 abonnés, des 100 000 abonnés sur cette chaîne secondaire. Imagine deux trophées 100K avec des zombies, ce serait incroyable, c'est vraiment mon rêve de cette année. Le crash c'est crêpe PS3, c'est bon, arrêtez de rappeler des trucs qui m'ont fait mal au cœur. J'ai même pas pu voir la cinématique de mes propres yeux, frère, c'est bon. Putain, terrible. Et j'ai la fin. Tiens, descend. Naze le Sleeky, une des meilleures armes de l'histoire. Une des meilleures Wonder Weapon. La savonnette, comme on l'appelle dans le milieu. Une stade dès le début, ça peut être cool. Oh non, la nuke. Oh, il est max là-bas. Monkey, hein. Voilà, pas de risque. Quoi? Wesh, ils m'ont enchaîné ceux-là. J'étais dans la lune là, je sais pas si c'est vu à ma tête, je sais pas, genre j'ai été chercher une max et là mon cerveau il a fait Je vais mettre le bruit Windows dans ma sandbox. Ah, les soldes. Au cas où, petite sûreté. C'est le meilleur jeu de 3 PS3, c'est un artefact, hein, c'est légendaire ce jeu. Rendez-vous compte de la chance qu'on a eu quand même d'avoir un tel truc dans les mains. Comme disent dit David, c'est lourd, c'est une œuvre d'art de 3 PS3. Les pistes sont avisées, c'est planté, ouais, je te jure. Le jeu sale, c'est le jeu éteint même, exactement. C'est trop stylé, c'est trop bien. C'est équivalent à une des pierres d'infinité, BO3 PS3. Avec les 6 pierres d'infinité, c'est les bugs de Cold War. AW zombie. Un zombie. On en a déjà 3. Longtemps que t'es dans la game? 2 heures à peu près.
The exact opposite of the situation I recently experienced with my digestive system. Perhaps further testing will reveal other exotic states of matter, prior to now, existing only in theory. C'est à la combien, 75 je crois les goulums. 79, 80, 81 je crois c'est ça. J'aurais qui tombe là, j'ai pas envie de refaire une flaque là-haut. Parfait. Ouais, il nous manque 3 pierres d'infinité. Chemin tortueux, transit. On a 5. Y'a quoi comme création un truc terrible qu'on a eu dans l'histoire des zombies. Les bugs de Cold War. Notre PS3, AW zombie. Transit, chemin tortueux. Non, Fantas, c'est l'un des meilleurs. C'est justement. Allez hop, ça dégage. Non, j'ai pas eu l'insta. Ah merde, le con. La merde. Carrière. Mais non, c'est déjà AW zombie. J'ai oublié l'insta. Je sais pas, je suis dans la... C'est terrible, j'arrive plus. Un type de zombie à la limite. Les zombies de l'as. Ouais, Midlas, bien chiant. Vas-y, on reste là, j'ai pas envie de prendre de risques là. Je me la joue safe, du coup j'ai tué moins de zombies dans l'insta, ça va être moins efficace. Aïe. Zombies de l'as en vrai. C'est chiant cela. Moi c'est vraiment ça, ça a été un des traumatismes de VO4 les zombies de l'as. Aïe, ah, calme-toi. Ah, je parlais de zombies de l'as, migraine, elle a fait hop. Ouais, je dirais pas ce qu'il y a de plus terrible que ce truc là. Oh, ces trucs là, c'est vraiment des reliques. Bien que tu réunis les 6, t'as le pouvoir infini. Ah bah là ouais, il me manque plus que j'allais faire forger le petit grand mon pote. Je mets BO3 PS3, bug de Cold War, AW zombie, transit. Chemin tortueux, zombie de l'as. Pouf. Ouais, de ouf, mais ça au début c'était très chiant. Maintenant je crois que ça va beaucoup mieux. Moi au début c'était ultra relou. Ah bah Rafi, là tu réunis ces 6 trucs là en un seul. Ça explose, la console explose, tout explose, c'est la fin. Bon. Ah, ça vend plusieurs actions, s'il te plaît frérot. Ah, merci, ok, x2, bon. Au revoir monsieur. Oh, j'espère qu'il va pas faire pop un... Nuke, Moon, Insta. Ok. Taras.
Oh non, je suis bloqué. Je fais de la merde. What? Oh, j'ai eu ma... Oh, ma sensi, je sais pas, genre j'ai galéré avec la souris, je sais pas ce que j'ai fait. Je dis mon cerveau, là, c'est... C'est n'importe quoi, là. Il arrive plus à tilter, à avoir de réflexes. Oh non, mais non, mais non, mais non. Meurs, s'il te plaît, meurs. Oh, tu me fais chier! Non, les zombies au-dessus. Oh putain, j'arrive plus. Là, c'est là vraiment, je vous dis, le chat, c'est qu'on va vraiment être... Je pense... Ouais, si j'ai pris un Doliprane 1000 à 20h, les gars, c'est vraiment grave si j'en prends à 1h, genre 5h après. Ah, j'ai même pas capté que j'ai besoin de sauter, quoi. Bah moi normal, Anomalix encore en haut, c'est ma paye, donc bon, encore en haut. Sur Jewel 4h, c'est dans le chat, on est vraiment le mieux, c'est 5 à 6h. Sur j'attends 1h du matin. Chark 153. Oh non, j'ai mal tiré ma flaque. Non, tiens, le Panzer, il est... Rapporte la map, il est bidon. Genre, Origin Serie Mother amélioré, tu pètes le fion. Limite, bâton de foudre à la limite. Sur d'air, Haymaker, puis voilà. Même sous le saflac là-bas, c'est chiant. 80. Hop. Ouais, ça doit à peu près, je pense. Peut-être du 92-93, hein. Oh oui, petite manche free. Manche Gucci. Touch me there, soul. Hey, manche gratuite, ça part, merci beaucoup. Et quelle manche spéciale, ouais, je pense, en une heure, on sera plus tard, 92-93. Si on y arrive, hein. Fais le manche sans, ouais, c'est ça. Totalement. Bah, ça n'arrive pas, tiens, tout simplement, voilà. Voilà. Merci. Ah ouais, Georges Romero aussi, ouais, il était chiant. Mais tu peux quand même gérer, ça va. Vos zombies préférés, je peux pas en départager, il y en a 3. BO3, IW, BO4. Les 3, c'est les plus complets, c'est les plus fous, les plus... avec des putains de secrets, boss et tout. Oh non, j'ai mis le feu trop près. Ah, Kushi, ouais, totalement. Avec Alas, quand c'est trop dur, genre j'ai migraine qui me tabasse le crâne, genre j'hésite limite, tu vois, à faire 85 et... Ouf. J'ai le combo acouphène, migraine. Miam, miam, miam. Un délice. Là, je suis extrêmement joie, je sais pas si ça se voit sur mon visage. Hein.
Genre depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire des erreurs bêtes parce que j'arrive pas à être dedans quoi. C'est terrible. Akoufen aussi. Ah, Ika, mon rêve d'Akoufen. Let's go. Salut mon flapou pour la blague. ACB, du sub, tu fais une custom map beau 3XD. Attends, 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 mon BG. Je regarde ton qui a resub juste après. Pff, j'arrive pas là, c'est. Oh là là, mais je loupe des zombies, mais c'est vraiment terrible. Hein. La migraine, il s'agirait d'aller se faire voir là actuellement. Oh, pff, terrible. Merci beaucoup Nightox pour le 17ème mois de sub. Tu régales. Tu l'as avec Benji. Voilà, je pense que j'aurais déjà eu. Ah bah Ika, c'est Stradireyes, voilà, c'est... Il y a quelques fois où quand même c'est assez short, tu peux te remerger, parce que des fois les zombies peuvent tomber de là, c'est... Voilà, c'est chiant, des fois t'as des plaques en dessous, du coup faut bien que tu gères ton saut. Mais globalement, une fois que t'as bien compris la strat, comment elle marche, gros, c'est... Bah c'est juste que je la connais pas, voilà, je suis vraiment... Cette strat, c'est débute... Je débute de ouf, là, c'est terrible. Putain, il a pas pris sa balle. Genre là, tu vois, par exemple, là, j'ai fait de la merde et... Ça peut vite être compliqué, mais sinon, ouais, c'est. Ah, totalement, Ika, mais c'est juste celle-là, c'est la plus rapide. Mais ouais, sinon, strat qu'a fait, la GOAT. Et c'est dans les glaces, j'aime. Et du coup, Nightox, pour te répondre, combien de subs? 20 000! Parce que j'ai pas le temps de créer une map custom. T'as beaucoup qui demandera pourquoi tu crées pas ta map custom, parce que déjà, c'est tout un univers à apprendre. Genre, c'est ultra dur de créer une map custom, genre, ça s'apprend, c'est des mois et des mois d'apprentissage, et j'ai pas du tout le temps pour ça. BM, ça m'intéresse pas spécialement. Mais tu vois, si un jour je rêve d'une map custom, je me dis putain, il la faut à tout prix. Je préfère faire comme le Flappix Studio quoi, genre payer Emox, tu vois, lui donner un petit billet, il crée la map, et voilà. Tiens, quoi, c'est vie. Vas-y, bonne nuit, WLZ, des bisous. Ah ouais, Ika, putain, quel goat. Je sais pas si c'est une prise de tête. Migraine, c'est bien de l'énergie drink. Mais j'ai soif, j'ai besoin de me réveiller. Oh, la même Ika. Essayez de rester au-dessus, s'il vous plaît, les zombies, arrêtez de glisser en bas. Wow, faut que j'arrête d'aller là. Là, je... Ma tête ne peut plus tenir les gauches droites, là. Regarde, je joue les zombies au corps à corps. Vas-y, je vais redescendre. Là, c'est trop. C'est trop pour ma tête. La nuque, elle me fait peur. Ah, mais Jérémy, mon son de jeu, il est au minimum, moi. Il est ultra faible. Ouais, je vois, c'est... Ah, tu sais, bah en même temps, j'ai presque pas dormi cette semaine, j'ai voulu trop charbonner et ça m'apprendra. C'est un problème que j'ai, c'est que des fois, je veux trop en faire, en fait, et du coup... Bah, mystique, j'en sais rien, je serais pas chez Treyarch, mon ref. Ah, ça refait une flaque en bas, comme ça. Ah, ils font de la merde, là, les zombies, ça me saoule. J'aime pas quand ils restent bloqués comme ça. Pourquoi j'aime pas, c'est que des fois ça tombe sur moi. Non, ça va de juste faire ça à la limite à la 100 pour aller à la cafette un petit peu. Pourquoi pas? Ah tiens, toi aussi. Merde. C'est pas contagieux normalement, ça c'est bizarre. Ah, Kyo, je bosse pas chez Treyarch, je ne peux pas t'enseigner. J'ai eu un truc qui m'a piqué le pied, what the fuck. Kushi qui est même plus sub. Offrez un sub à Kushi, s'il vous plaît, le chat.
Un petit... C'est le September, on a 20% sur le subgift, it's the time or never, you know what I mean. Ça c'est classant en plus avec ses strats, elle est tellement simple, mais c'est juste j'arrive pas à maîtriser Dire Eyes et là... Oh oh. Est-ce que j'ai chié une balle de Slicky? Ouais ouais ouais. Non... Oui... Ah bah tiens, Black Ops 2, les runs, hein, c'est pas les trucs les plus passionnants, hein, clairement. Allez, 83. J'ai dit à laquelle, les Gouloums? 79, 80? J'ai pas noté. C'est Strat? Non, ils ont... Non, prototype. Strat, ça n'a jamais été patch. J'attends les max, je prends pas de risque. Tant pis pour l'insta, mais là je suis trop en galère, je suis trop en PLS. À limite là. Ah, je fais comme ça. C'est. Du coup, je tue moins de zombies, c'est... ça ralentit un peu ma game, mais bon. Vas-y, la bise, Rafi! Courage pour demain, bonne nuit à toi! De toute façon, dites-vous, il y aura la rediff sur Flapix CV. Dans longtemps, mais elle y sera. Après, j'espère battre mon PB avec ses strats, parce que la strat qu'a faite, du coup, j'ai déjà fait 100 à l'époque. Mais PB avec ses strats, c'est 93 en vidéo, justement. J'aimerais bien le battre, ce serait cool. Heureusement qu'on est en stream parce que je retourne pas de Run Dire Eyes tout seul dans mon coin en tournage vidéo, c'est trop chiant. Ah, j'aime pas ça. Jérémy, ce week-end il y a mon 83 buried. Le week-end d'après, je pense le Pack-a-Punch challenge sur Moon. Et ce sera après le DLC 4 du coup. Donc mi-octobre, je pense. Mi-fin octobre à peu près, la rediff. Et là, on est le 27 septembre pour ceux qui demandent sur YouTube. C'est vrai qu'il faut aller voir Twitch parce que Twitch, c'est bien plus tôt que ça arrive. Genre là, il y a des épisodes custom que j'ai tourné avec Exi et Proxy. Ils sortiront après. Enfin, après la Hive Vanguard quoi. Imagine, je pense, sauf bah du coup les maps survie où c'est inatteignable. Newton la même. Et Transit, parce que Transit, faut que Transit c'est trop chiant et trop ennuyant. Genre si tu tournes mais tu tues quelques zombies par quelques zombies, c'est bidon, t'as une grosse zone où tourner où t'es tranquille, c'est fou. Et oui, comme des Mason, Twitch c'est mieux. YouTube, désolé de forcer, mais je veux les 100 000 abonnés, alors vous allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, pour qu'on pète les 100K. À l'heure actuelle, il manque moins de 1600 abonnés pour les 100 000 abonnés sur cette chaîne secondaire. Nos vidéos sont le mardi, jeudi, 18h, donc l'abonnement, let's go! Mardi, jeudi, du custom map et le samedi, grosse vidéo, soit un run manche 100, soit un 100% challenge, soit un pack up and challenge. Un kill 15 000. Un drone en plus. C'est cool.
Oh de ouf Mason, hein, les chats, suivez au cas où si vous n'avez pas tilté YouTube, il n'y a jamais de la YouTube, hein, c'est des rediffusions. Parce que des fois il y en a qui arrivent sur la première qui écrivent dans le chat, pourquoi tu me réponds pas? Bah parce que c'est une rediff mon ref. Oh let's go la manche, le free round. Non je tire un peu à côté, voilà. Pour pas avoir l'atout. Y'en a, ouais c'est pour ça Jérémy qu'il y a les rediffusions. Bon après je fais pas des rediffs, des petits trucs sans importance, mais de toute façon la plupart est remis sur YouTube, hein. Des fois on fait des tournages, genre par exemple les lundis soirs c'est Retour Secret, c'est remis en vidéo sur la chaîne principale. Backup and Challenge, 100% Challenge Run, c'est remis sur la chaîne secondaire. Les marathons en général c'est remis, ou sinon il y a la rediff Twitch dans tous les cas, les customs c'est remis sur YouTube. Il y a juste quelques streams qui sont pas remis sur YouTube, mais voilà quoi. Mais en début de manche. Oh l'insta fuck hein. Je suis plus apte à utiliser une insta kill. On fera qu'on l'utilise sûrement en plus haute manche. Pour être safe niveau 1000. Oh le salaud. Non. Ah la nuke. Oh les fuck. Oh les faux zombies. Oh il me casse. Non mais frère. Non 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 non. La nuke. Putain nuke. Comment va le plat? Salut Tatanos, merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci Mobal, tu régales. Je déteste prendre des news, du coup voilà, il y a des zombies qui meurent pas tout de suite, tu peux pas les tuer. C'est trop chiant. A chaque fois ça me fout dans la merde. Un zombie qui a fait du savon en dessous de moi. Et le Kev également le sixième mois, merci beaucoup pour le soutien les gars. Merci à vous, faites plaisir de ouf. Non. Explose sans faire de flaque, merci. Ah, j'ai toujours résolu lui, ça me... Voilà. Nuke de brin. Putain. Non, Zenkai, au début, j'ai appuyé sans faire exprès sur la touche commande, parce que j'ai oublié que j'étais sur Plutonium, pas sur Steam, mais du coup, les commandes s'ouvraient. Et du coup, j'ai la touche commande et j'ai pas tilté. Parce que j'ai... Dans la tête, c'est encore ceci, vu que c'est l'une des premières... Enfin, c'est même une première run Plutonium. Donc voilà, donc complètement con que j'aurais pu éviter si... Oh non. Phase 2, en gros les maps où il n'y a pas de manche spéciale c'est environ 28 000 kills et les maps à manche spéciale c'est environ 24 000 je dirais, 25 000. BO2, BO3, BO4, c'est le cas, BO1 je sais pas, je t'avoue ça fait trop longtemps. Ah bah attends y'a plus de plaques. J'y arrive plus là, c'est terrible. Tiens pas session planning. Et t'as toutes les infos. Même moyen qu'à une heure on soit à la 100 si je fais le pas. Les manches sont pas mal fast. Ah, il me fait chier lui. Ah, j'arrive quand même. Ouais j'ai quasiment rempli la banque. Je crois que c'est pas full full mais je suis tranquille. Je dois avoir je pense 170 000. Je crois que j'ai posé 150 000 tout à l'heure quand je suis redescendu chercher Réa avec les Goulooms. Et bien sûr, Diga, bien sûr! Le meilleur! Celui sans qui je me serais jamais lancé sur YouTube! Ah, carré, ouais, bah totalement! C'est. L'abus! Manque Splitchy, c'est qu'un shipping gratuit. Oui! Oui, oui, oui! Shipping gratuit, ça va durer une minute. Là, t'as 200 000 points si tu veux. Mon spécial est 84, du coup, je pense que j'aurai 89. Il y aura ce seul zombie qui va me faire chier.
Un million de monnaie, bah je les aurais déjà si j'avais pas rempli ma banque. Hein. C'est pas compliqué, un million. Tiens, ah ouais, les gars, t'es lourd. Yasakix, bien sûr que je connais, bien sûr. Avec le Remington amélioré. Non, AN94. Voilà. J'ai trop envie de retenter la l'Insta. Allez, ça m'en fout. Ouais, non, je vais pas monter, il y a la nuke. Je voulais remonter et au final, la nuke, je me suis dit non. Y'a un second que Snakix se met au stream là, putain. Histoire qu'on le pub comme ce qu'il a pu me faire en 2012-2013. Hop. Salut Flap, tu gères. Merci beaucoup Melvin pour ton resub du 3ème mois. Ça fait très plaisir, merci à toi. Moi j'étais avec une graine, bah j'ai l'habitude, j'en fais souvent quand je dors pas assez. Ce qui est mon problème, c'est que des fois je veux trop charbonner et du coup je ne dors pas assez. Du coup je me tape des migraines. Je dois le faire. Mmh. 14, ouais Kino plus 14. D'ailleurs Kino, t'as loupé ma dame tout à l'heure. J'ai oublié que j'étais sur Plutonium mais qu'il y avait les commandes actives. Et au moment de changer d'arme, j'ai pas appuyé sur changer d'arme, j'ai appuyé sur la commande. Voilà. Du coup actuellement, ce que j'ai fait, c'est ça. Mais là Kino, ça commence à être dur, genre tu vois, j'ai même hésité à live à la 85, au final me dire ouais 85 c'est bien pour la rediff. Tu vois, la migraine c'est... ça tape. Normalement je serai en full OLS là, j'ai pas eu de soucis mais du coup j'ai plus mini-masto, ce qui est chiant. Au début j'ai voulu restart, j'ai vu l'heure, j'ai fait ouais non avec les migraines jamais je tiendrai encore longtemps. Du coup je dis tu sais pas, je pousse, je fais les manches qu'il faut, au moins pour la tentative manche 100 c'est déjà très bien 85. Puis de toute façon pff, c'est la même chose après encore pendant 14 manches donc voilà quoi. Encore pour une heure max, ouais, je pense. Oh, j'ai voulu tirer dessus, j'ai bien fait de pas tirer, sinon ça allait flaquer en dessous de moi et ça allait me faire chier. Parce que mon cerveau il arrive plus à contrôler le saut en arrière. Tout au moins, je me casse la gueule. Ah, avec mon rythme, ce que je dis, je pense à 1h30, c'est claqué. Et là, je me dis, tu vois, il y a une minute 22, je suis en mode. C'est tout pour te dire, Kino, je joue même plus à. Ouais, c'est ça, Kino, c'est. Il y a les goulements entre temps. Ah tu sais, l'insta je vais plus entre les deux fenêtres pour switcher parce que j'arrive même plus. Genre vraiment mon shoot il est en mode Du coup je perds un peu de temps et bon. Les zombies, là je suis à 16 000 kills. Bon run classique hein. Ouais ça là, ah ouais la bataille j'avais pas suivi ton premier message, désolé, je suis à l'ouest. Vraiment entre la manche 85 et 100, il n'y a aucune différence. Genre là, je continue comme ça, juste chill. Jusqu'à la... Parce que soit j'arrête, soit... voilà quoi. Et juste, ouais, plus tu montes dans les manches, forcément, plus il y a de zombies qui spawnent et voilà quoi, ainsi de suite. Putain. Voilà, là, non, non, non. S'il te plaît, vite la plaque, pars, là, je ne tiens plus, là, je... Non, 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 il faut pas ça. Allez, la flaque, s'il te plaît, dégage! Dis ça! Enfin, pas moi, descends, pas moi. Non, carré, je crois pas, je crois que ça a toujours été vers la 100 qu'il a arrêté le one shot hein, depuis toujours, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est vrai, j'avais fait 101, parce qu'à la 100, j'ai échappé la manche, voilà. Offrez un QG, le chat, il en a besoin! Puis il est beau en plus. Du coup, 89, les Gouloums, je pense, 89, 90. Wayacha! Oh, let's go, j'ai réussi sans prendre ça. Voilà, mort. L'insa, je la joue pas là. C'est... Ok, ça me ferait économiser des munes, ça accélérerait gameplay, mais comme je vous l'ai dit, il y a la nuke là. J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en PLS. Genre, j'ai pas envie de me prendre la tête du tout. La nuke, si je la prends, il y a plein de faux zombies qui vont arriver. Là, je sens que la nuke, si je fonce dessus, je vais me retrouver dans la flaque, j'ai fini au fond, c'est voilà quoi.
Ah Mason, quel homme. J'allais le faire. Il a pré-shot le truc, incroyable. Pourquoi j'ai tiré, je viens de tirer. Ouais, ceux qui sont sub, y'a pas de pub. Non, il y a Kino, Mason, il est juste trop fort. Trop fort. Il glisse. Attends, quoi? Attends, c'est... Ouais, c'est bon. Il glissait pas au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils me font là, les couillons? Pourquoi ils tombent là? T'as limité. Ah ouais? Ah oui, oui, c'était ça, oui, oui. Mason, oui, oui, ce truc là, ok. Moi, je crois en mode en plus de 100. En plus de 100, tu pouvais encore one shot avec les balles de Sticky. Je crois que ça s'est toujours été. Voilà. Oh putain, ils sont tombés là-bas. Vas-y, fuck, hein. Je peux à ça près. Ouais, c'est Akino exact. Peu push, mais genre tu peux pas aller taper jusqu'à la 110 quoi, c'est trop compliqué. Oh, ça a pas pris. J'ai du mal. Ouais, ça y est, à la 100. Non, tiens, c'est pas moi, j'aime pas fan. À part Gibby, je suis très peu animation. Très très peu. Genre visuellement, je sais pas, je préfère tu vois, avoir de la série, du film. Moi je suis plus cinéma. Non. Petit malandrin. Ah, j'arrive pas à les sauts là. Oh, c'est dur. Sur la fin de manche, s'il te plaît. T'as même plus la flaque. Vas-y, je retire une balle, on est pas à ça près. Pas de risque. Je veux que les mines elles tombent devant moi. J'en parle plus, je puisse tirer au-dessus de moi. Élimine. J'attends que la nuque disparaisse en vrai. Oh mon dieu, comment ça, Kushi? Quoi? Quoi? Je ne savais pas! Quel gosse! Ok, encore 7000 kills, je pense, à peu près.
D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez changer un petit peu d'air en termes de stream. J'aurais pas dû tirer si j'avais su. La petite chérie XI en stream sur sa chaîne Twitch pour une session XI, n'hésitez pas. Vas-y Kino. Bonne nuit, merci d'être passé beau gosse. Et la flag disparaît. Après l'opération XI qui régale, let's go. Ouais, si vous voulez changer d'air un petit peu en attendant la 100, vous invitez à aller voir la chaîne Twitch de petit chérie. Non. Allez, pas de risque, hop. Pff, là j'ai du mal, là c'est bien. Bobo tête. Ça apprendra à pas dormir assez. Je tire trop mal, ça me fout la haine, j'y arrive plus. Un kiff, tiens, sans spoil, j'ai adoré. C'est que beaucoup de mal, beaucoup ont eu de mal avec la fin, moi j'ai trop kiffé. C'est trop beau, je trouve. Moi j'en ai pleuré tellement c'était beau et que je me disais putain, c'est fini! Il a réussi à push. Ce qui me saoule, c'est que la chaîne elle commence de l'autre côté, du coup c'est trop chiant pour venir tuer cela. Ouais, j'ai pas fini encore. Là on a l'épisode 7 avec XI. Et... putain. Parce que des fois en général, les séries, films coréens, etc., surtout les dramas coréens, c'est space. Ça reste space, mais je pensais pas genre autant accrocher, tu vois. C'est Fanta qui m'a motivé hein, franchement à me lancer là-dedans et zéro regret, genre zéro. C'est... je la trouve incroyable cette série. Donc ouais, je peux te la conseiller franchement. Mais c'est coréen, du coup à certains moments c'est un peu space, mais parce que voilà, c'est pas la même culture que chez nous, tu vois. Laissez-moi monter, Yazubi. Ouais, mais ça, non, on est limité à 1 million sur. Est-ce que c'est Black Ops 5, je crois? Non? Je sais plus. Essaye de me. Non, t'inquiète. Tiens, je ne spoil absolument jamais. Merci beaucoup, Ect, pour le follow, bien à toi. De si j'ai loupé des follows ce soir. Voilà, c'est. Mon cerveau, il n'arrive pas à assimiler plusieurs trucs. 90? Un petit screen. Pour tweeter! Petite pause aussi, ça me fait du bien. Ouah. Je me permets de juste faire pause 30 secondes. Voilà. Rexy, t'as fini ton stream ? Je commencerai test ce retour sur Among Us. Ouais, totalement Zulu, elle est vraiment, non, vraiment cool. Il me fait peur celui-là. J'attends la nuque, elle disparaît avant les munes, c'est parfait. On va rester là, voilà, je vous l'ai dit, je peux plus être en haut. Oh, t'es bien, fils de but, tu régales! Où est-ce qu'il va d'ailleurs, le beau gosse? Je pense avec XI, on va continuer à. Ah, peut-être en journée là, vu que je vais essayer de speedrun le taf que j'ai à faire.
Hop. Disais, je suis fatigué, t'inquiète. Ah ouais. Ah ouais, c'est putain chelou. Dead game. J'espère comment vous avez rigolé avec les copains. Tout ce qui compte dans un live. De toute façon, le principal dans un stream, c'est de savoir s'amuser. Ce que je ne suis pas en train de faire, en fait. Non, c'est au moins ce qui est cool avec ce genre de stream, le chat, c'est que là, nous, on discute tranquille, tu vois. C'est cool. Moi, j'aime bien les lives comme ça, un peu chill. On se pose, on pose notre cerveau, on parle entre nous. C'est, je trouve, les meilleurs lives. Plutôt que live où on enchaîne, c'est des trucs comme par exemple les Mokisom, des fois, on les fuse, on les enchaîne. Ils s'appellent des bonnes barres. Oui, bah voilà, c'est tout ce qui compte. Non, pas ça, mon cerveau, non. Je vais devoir me concentrer à sauter comme il faut et tout. Oh non. J'espère ne pas te choquer, hein. Plus de dimanche, le chat. Oh. Ah putain, la chaîne, elle se fait là-bas, j'ai la haine. Oh là, comme ça ralentit le gameplay. Je pourrais après broke la chaîne en rangeant le sticky, mais bon. Une chambre pour ça? Oh, t'es bien. Ah, bah attends. Non, non, pas du tout. Si, fin de round. Et non. Ah là, le fils de but, il fait sa petite vie. Mashallah, comme disent les Jones. Donc, toi, Flap, déconne pas. Bah, le problème, c'est... Ça commence vraiment à être vénère, là. C'est... Je dis à chaque fois, mais c'est de plus en plus, en fait, c'est terrible. On n'a pas le choix. Les jeunes en Waze, t'imagines les jeunes en Waze. Jump, j'ai peur, c'est bon. Là, j'ai niqué trop de balles tout à l'heure à cause du putain de la flaque là-bas là. Sapé hippopète. C'est pas des lol, comme disait, c'est pas des lol. Inch'Allah, j'arrive à la manche sang, voilà, comme disent les Jones de nos jours. Et ça fait parler le bon François. Putain. Ah fils, on a profité du coup. Oh, j'ai aidé du coup, j'ai fait voilà. Ah, c'est cette collection, je l'avais fumée. Presque tous les t-shirts, presque tous les pulls, les sherpas, bam, les cargos, les trois, bam. Qu'à la foutre. La ceinture, le tapis, tout y était passé. 91. Allez, allez, on peut le faire, on peut battre notre bébé. Eh, je serais pas mort si j'avais pas fait la... Vas-y, je vais rien dire. La connerie de ma touche. Putain. J'ai vraiment le démon, le chat, vous imaginez même pas. Voilà. J'ai un peu trop attendu à en tirer. Risqué, ça passe. Ouais, un tournage YouTube pour la chaîne secondaire. Pour la série de Mange Sang sur toutes les maps zombies. Yes, sans glisser le min-max qui régale. Tant pis si y'a l'insta qui drop en haut, je m'en fous. L'insta, je la joue pas. J'ai mon cerveau, il est trop... Insta, je sais pas tirer sur les zombies. Tiens, je commence à câbler. On peut enfin la claquer, ce sang. Entente. Je suis stupide. Mais je reste ici, hein, je prends pas de risque. Vraiment, là, c'est trop dur. D'ailleurs, j'ai secoué ma tête en mode stupide, ça m'a détruit. Je suis trop con. Oh non! Putain de mur invisible. On se joue safe niveau balle, hein. Je suis large, de toute façon, je sais, je trompe. Ah, c'est où mon pote? Bonjour.
Mais j'y crois, plus que 9 manches. On y va, les gars. 91 en moins de 2h50 en vrai. Et merci beaucoup Sadan pour le resub du 10e mois qui me fait super plaisir. Merci à toi du resub. Bonsoir. Salut mon pote. Qu'est-ce qu'il y a le Sadan? Ça re... Ah du coup ça push trop. Allez, on prend pas de risque. Ouh, j'ai peur. J'ai fait de la merde avec mes touches. Putain, c'est chiant à se mettre là. Oh là 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 là. Ça fait de la merde là, j'aime pas ça. J'aime pas ça, chat. Ah, ça donne tranquille, petite migraine, mais bon, on est là. Le Siki qui fait un peu de la merde, des fois, il me fout des plaques à l'autre bout, c'est trop chiant. Des flaques, pardon, pas des plaques. J'ai l'impression que je suis en double flaque par contre là, en double chaîne. Ce qui est incroyable. Je suis en double chaîne. Je suis plus en double chaîne. Ah, je tire trop là, je fais de la merde, je... Voilà. Mais l'expiré. T'as les faux zombies touchés par la nuque, mais pas encore mode qui te push. Ça te coince. Tu galères, remets tes balles de Slicky, tu paniques. Ça ralentit le spawn en plus. C'était les Glooms. Donc en théorie, 93. Si j'ai de la chance, sinon 94. On sait jamais. Là je m'assure, même si je nique des balles, que des fois je risque d'être en galère. Je vous dis, j'ai envie d'assurer... Je vais très propulse, puis voilà. Ah là, je vois 10 sur un 2 balles, je suis en train de me dire putain, je ne moque d'habitude, alors que c'est quand même 32 balles de sticky restante, quoi. Pour finir la manche, plus faire le début de la prochaine, c'est... Le message de fils il est bloqué, il a... le truc a été retenu, c'est à 6h. Pourquoi les bots ils bloquent ce terme? Ah, 92. Allez les gars, allez, allez, allez. Ouais, bah Mylix, c'est pour ça que c'est Dirise et Die Rise, pardon, est assez simple quand même. Insta, non. C'est le jeu Silky en attendant d'avoir les mines. Si c'est initial, pop en haut. J'ai très peur que mon cerveau ne soit pas assez réactif en termes de réflexes. Réactif. J'aime pas jouer à la fumée en haut. Insta, nuke, x2. Je vois pas de mine. Hein. Faut pas que j'ai loupe. Mune. Y'a plus la nuke en plus, c'est parfait. Let's go. T'as vu ça Alex? C'est fou. Quand est-ce qu'il va Alex? C'est bon, le FBI est toujours pas frappé à ta porte? Jamais ici de glitch à Mylix pour des runs. Jamais, c'est sérieux. Pourquoi est-ce que je glitcherai en run? C'est juste le spot. On va dire... Safe, tu vois, la strat simple de Die Rise. Pas la plus efficace, mais bon. C'est une strat qui est quand même assez rapide. Là, tu vois, par exemple, en moins de 3 heures, j'ai fait 92. Pour du BO2, c'était quelque chose de très rapide. Hein. C'est... voilà. Après, c'est sûr, par rapport à Cold War, non, c'est plus lent, mais normal, parce que Cold War, il n'y a pas... Il y a moins de zombies sur un manche sang. Alors, genre là, par exemple, tu vois, je suis à presque 20 000 kills. Cold War, c'est en moyenne 15 000, je crois, le 100 000. Le manche sang, le 100 000. Ah, la somme dès que ton cycle il est calé, c'est trop kiffant. Professeur Toz, le GOAT. Merci de m'avoir appris. J'ai peur que c'est un flac. Merci beaucoup, Soren, pour le follow, bien à toi.
Non Alex, t'es je trouvais plus ton Twitter l'autre coup, c'était normal ou... Je posais la question. Si bah oui si, c'est tout à l'heure tu m'as répondu. C'est genre la semaine dernière, je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à le trouver. D'ailleurs tu m'as répondu sur Twitter, je suis désolé. Carrette, c'est je crois 24 000 pour les manches avec les maps avec manches spéciales. 28 environ à peu près, c'est une moyenne. Pour les manches, enfin les maps sans manches spéciales, j'arrive pas à parler. C'est la révision de Squid, Poulpe, fils. C'est le cas, je sais même pas. Tiens, la gaufre, comment tu vas? Ah bah oui, mais totalement, Realtom, c'est le Slicky est top 3 meilleure arme de l'histoire de Code Zombie. Spécial, je parle de Ripon. Même pour moi, c'est limite la meilleure. Elfgun aussi qui est cool, mais il y a quand même moins de balles. Elfgun qui est aussi pour moi dans les meilleurs. Le servant, on peut la mettre dans les meilleurs si on compte antithèse alchimique. Parce que sans antithèse, le servant d'Apoticon, malheureusement, n'a pas assez de balles. Et du coup, ça fait que c'est... Voilà. Pas forcément l'une des meilleures. Oh non, ça a repris là-bas la chaîne. Vas-y, tant pis, je recrée une là. Nique des balles. Et un pouls, je sais plus. Oh, je t'avoue que moi, en anglais, fils... Hello, my name is Séraphin. Welcome to my Twitch challenge. Channel. Le cerveau. Allez, encore 8 manches. Petite trentaine de minutes, je pense. Oh, j'ai eu peur de la flaque. On va faire une flaque en bas, au cas où. Non, Walker, ce sera dans les retours zombies sur les modes secondaires. On finit déjà les retours secrets, ensuite je passe aux retours zombies, donc Firebase Z, Mower plus DLC4, ensuite c'est les modes zombies, quoi. Donc lutte, infection, cauchemar. Ouh, j'ai peur que ça fasse une flaque. Ruée, affrontement. Carnage, contagion. Je te pardonne, Wazeman. Ah, ma tête. Bobo là, bobo, bobo. Oh oui. 93, allez, c'est mon PB sur cette strat. Spécial, spécial, spécial. Hop là, pour avoir le bonus. Hop là, tout, pardon. Carrette, ce que je dis, je peux pas départager. Pour moi, IW, BO3, BO4 sont égalité en top 1. Je peux pas départager ces opus là. C'est terrible. Mon PB avec cette strat. Et en plus, normalement, flawless. Si j'avais pas appuyé sur le bouton de commande, ce qui m'a bloqué du coup la touche de tir et tout. Ah, j'aurais été flawless, j'aurais toujours eu Minimasto. J'ai tellement la haine. Allez, restons focus là, c'est... Là j'ai eu un petit coup, je sens, je me relâche un peu parce que je me dis, ouais, j'ai eu mon PB, c'est cool. Ah, je tire mal. Et les mines, droppez s'il vous plaît. Pas la nuke, les mines. Pendant qu'il y a une star, oh dommage. J'ai eu une petite frayeur. Flaque en dessous, après tu tires, c'est pour être safe, Wazer, vu que je sais que je peux niquer mes balles, je m'en fous, je vais avoir min max d'ici peu. Comme ça les zombies viennent pas me push. Genre ils glissent direct. Oh non non la flaque là, oh là là quelle erreur. C'est juste une question de sûreté que je tire la première par terre. Sinon oui, si je tue le zombie, il crée une flaque. Et c'est juste pour assurer, on va dire. Et différent... Ouais, ouais, franchement, elle est cool, l'arme de Mower. Elle est vraiment bien.
Après, heureusement qu'il y a eu drop de munitions. Au pire, il y a les boîtes de munitions dans tous les cas, ouais. Et l'arme noire aussi, très très cool. Mais au bout d'un moment, elle fatigue. C'est vraiment avec un autre feu qui fait, ça fait qu'elle est bien. Et Mason, il a passé une journée impeccable. C'est impeccable. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Il faut des bonnes petites journées comme ça, là. Call of Duty, je suis quasiment full à la banque déjà, donc... À limite, à la fin, j'ai reposé un petit peu de rab, tu vois. Parce qu'à mon avis, je dois avoir 150 000, 170 000 à peu près. J'ai quand même bien pris la strat, hein. J'ai quelques erreurs d'attention parce que je suis plus dedans, je suis vraiment... Si le monde n'y arrive pas, je pense que prochain sort en attente, ça passe le sang. Là, c'est tranquille, hein. J'ai la petite strat, j'arrive bien gérer mes tirs, mes balles. S6 Akuma, on est déjà bientôt à la S6. S6 de Bagua. Ah, j'ai quand même hâte que saison 6 c'est map DLC 4 et ça veut dire les premiers jours de rush en mode recherche secrète, découverte, enchaîner les tutos, et c'est ce que je préfère. Même si ce sera buggé, c'est sûr. C'est ce que je préfère, genre c'est les moments de rush où je dors presque pas, genre je me bute à charbonner et je kiffe ça. C'est vraiment pour moi les meilleurs moments, c'est... Vraiment, il y a 3 nuits de suite où je dors 2 heures, j'en ai rien à foutre, je ponce. Avec quit. Parce que l'avantage d'un Call of Zombie avec Gobblegum et sans Gobblegum, c'est que tu as le choix. Tu peux choisir les gobbles si tu veux te faire les trucs cheat, mais tu peux jouer aussi en no gum. Ça, c'est bien. Oh non. Ça a refait une chaîne là-bas. Limite, faudrait que j'apprenne à faire une double chaîne si jamais ça crée une chaîne là-bas pour Bam, en créer une là. Non, non, ouais, en termes de survie, B1 ouais. Mais sinon, non. En termes de map, de qualité, de contenu, non, non. Non. Donc tu kiffes, c'est essentiel. Enfin, ouais, c'est ça, c'est... Moi, je surkiffe ce moment-là. Voilà, 95, on ira faire la pause pipi, le chat, ok. Ah, ça fait 3 heures de game pile, je crois. Non, peut-être un peu plus, j'irai 3h05. 3h04, je sais pas. On va recréer une flaque. J'aurais dû tirer à ce moment-là. Allez hop, fuck. 5 bientôt, ouais les gars, on y arrive. On y arrive. Le problème, c'est que là, je suis en train de niquer trop de balles parce que ça crée une chaîne là-bas. Ça me rend fou, ça ralentit du coup les kills de zombies. J'ai cru que ça allait faire une flaque. Bougez pas. Hop. Je reviens, je vais faire un tour au pipi room. J'en ai pour 30 secondes le chat. Et plus que 5 manches, dont une manche spéciale. Ah, la pause pipi. Elle a régalé. Non, 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 Vice, non, 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 face de fois. C'est pas comme début de semaine où il y avait la gastro. Allez, les gars. Je dis plus que 5 manches, mais c'est 5 longues manches. Hein. Là, les manches, elles sont de plus en plus longues.
Walker, j'espère, pour la saison 6. Kensta. Nuke. Ah, la nuke, j'aime pas quand elle pop comme ça, je vois pas les bonus derrière. x2. Oh non. L'immune. Je les avais pas vus au début. Ça a failli être la merde. Hein. Autrement dit, une manche impossible à passer. Sauf si je gérais parfaitement mes munes. J'ai eu peur quand j'ai vu que la nuke a été prise avant et que du coup il y avait les zombies. Les faux zombies comme je les appelle. C'est combien les ghouls, j'ai oublié entre temps. Akuma, je pense un truc avec glissade. Glissade explosive, je pense. Avec possiblement un tiers en mode double tap, genre 2 fois plus de dégâts. Ce qui niquera un peu le jeu. C'est close, ouais, j'ai eu un coup de frayeur. Moi, ça m'a remis dans le jeu. Quand t'as un petit coup de pression comme ça, t'es en mode. Oh, attends, ok, ouais. Ok, ok, ouais, 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 ouais. Katrin Zit ou Katrin Zav pour les ghouls, ok, ok, ouais, ouais, ouais. J'espère pas de crash, pas de bug, pas de d'erreur de ma part. Ah oui, j'ai revive, mais test, il suffit que j'enchaîne dedans, non, vu que je vais chercher Réa que pendant les manches de Gouloum pour être safe. Et pas me taper tous les zombies derrière. Ouais, bah Akuma, s'ils le mettent en double tap entière, faut qu'ils augmentent la vie des zombies. Sinon, ça casserait le jeu. Ouais, ce serait beaucoup trop pété. Vas-y, toi. Oh, Real Tom, je pense pas. Je pense que la plus longue, là, elle va durer, je pense, 7-8 minutes. Ah ouais, ouais, mange, ouais, ouais, fils, ouais, elle a mange 95. Ouais, ouais. Oh bordel. Allez, histoire d'être tranquille. Meurs sans créer de flaque. Yes. Après, si on fait, je me dis c'est pas grave, tu vois. Déjà, le fait d'être allé aussi loin avec ma tête qui va exploser, je trouve ça. Je suis trop content de moi. Et surtout, je suis encore en phase d'apprentissage de la map. Et là, vu comment on gère bien. Voilà. Attends, je suis déjà quasiment fou là, la banque, ça sert à rien. On peut aller rajouter les quelques 40 000 qui me manquent, tu vois, mais bon. Pas le choix. Je tire un peu trop bas, je trouve, j'arrive plus à trouver mon rythme. Quand la partie a été lancée, 3h10, je dirais. Je suis quand même pas mal face, hein. Je m'attendais à être beaucoup plus slow. Coup de frayeur, je tirais 2 balles. J'aimerais qu'ils descendent pour leur tirer la balle en bas. Faut pas que ça refasse une plaque au-dessus. Oh non, il y en a au fond. On va l'attendre. Je rends pas avec sa grille de plat comme ça dès le début, je peux tac. C'était pas une fin de manche. Si. Tiens, je crois lointainement et encore. Sinon, c'est ce dont je sais, c'est pur bressant. La campagne, c'est moi.
Ouais, je suis plus le bressin. Au milieu des vaches, des champs. Vas-y, ouais, je te cache pas que là je stresse. Hein. Go à la cafette, ouais, j'aimerais bien la 100. Genre, dès qu'on est tellement le 100, on descend, mais bon, le problème, c'est que j'aimerais avoir les ascenseurs au bon endroit, bien comme il faut, quoi. S'il te plaît, me donne pas de nuke. Ça, je vois bien si elle est immune. J'ai pas pleuré, tu sais. Insta. Ok, je vais attendre que la nuke disparaisse. Et c'est reparti. Pour une manche. Bien sûr, Walker, bien sûr. Un kill, je sais pas, on regardera quand j'aurai mis ma flag BG. Donc ouais, ça va être environ 24 000. Salaud, il a fait la flaque. Putain. Glenn. Oh non. Oh non. Putain, et ça reflaque au fond. C'est la merde. Je vous dis là, c'est la merde. J'aurais dû apprendre la double chaîne pour au cas où s'il y a une chaîne qui se crée là-bas. Comme ça, je peux en faire une ici et j'ai pas de risque, enfin moins de risque. Ouais, j'espère les ghouls à la 98. Non, putain, c'est, bah, ça, j'ai, quoi? Ça a tiré sur quoi, wesh? Oh, what the fuck? Ah, peut-être la barre là. Ça tombe de là-haut. Là, c'est... Là, je fais... Les chaînes font de la merde, ça me casse les couilles, ce genre de manche, je gaspille beaucoup trop de balles. Après je suis encore large mais bon. Regarde ça, ça fait de la merde, frère, c'est bon. Voilà, c'est bon, ça reprend. S'il te plaît, retourne les pans, bah, c'est trop chiant. Je suis en train de fatiguer le chat, désolé si je rouspète un peu. Si je rouspète, oh putain. Oh ça y est, là j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai la voiture, la maison. On va refoutre une flaque là-haut pour être tranquille. Il a refait une flaque, mais non! Frère, c'est bon! Oh, je suis fatigué! Cette manche, voilà, je vous dis, là, je commence à m'énerver. Là, je commence à être vraiment, vraiment fatigué. Je suis désolé, mais... La migraine, elle prend le dessus. C'est vraiment... C'est bon qu'elle se termine. Et un flag, dégage. Merci. J'ai l'air câblé, je l'ai vu assez approcher, j'ai l'air en mode toi t'as intérêt de mourir de ce qui de base, pas que j'ai besoin de trop foutre de balles. Mais c'est que j'ai un peu de stress, que j'aurais envie de claquer le sang en vrai. Bonne fois pour toutes là.
Ouais. Dis-moi que c'est juste parce qu'ils sont bloqués tous là. Ouais, c'est bon, c'est fin de manche. Calvaire fini cette manche ? Contre la manche tel un padawan. Que la force soit avec moi. Là ils sont bloqués là-bas mais j'ai envie d'attendre qu'ils viennent là pour pas créer la flaque dès le début là-bas quoi. Elle met du temps à partir la flaque là-bas. C'est vraiment le last quoi. 97. Putain c'est moi je suis fan de toi Deluxe. Ça passe bien le taf ce soir du coup. Pas trop relou. Pourquoi vous arrivez pas à la 98 Pourquoi Ah j'ai la haine. J'aurais trop aimé 98. Là tu vois je me dis au moins j'enchaînais une manche chiante. 98 j'avais les ghouls. Et 92 ça y est c'est la last. Mais on pose au taf, je suis trop un fanboy. T'inquiète si tu veux je te ferai une petite dédicace Deluxe. Allez. On approche. On fout un coup. Allez hop. Restez au-dessus. Oh la nuke en plus. Bon tant pis hein. Voilà pourquoi j'aime pas la nuke. Ah, vous avez compris pourquoi la nuke c'est très chiant. Déteste la nuke. Même pas je prends une salle, même pas je vais me risquer dans le tas zombie là-haut. Rien à foutre. Ah, mes yeux commencent à piquer. Tiens, les zombies touchés par la nuke, malheureusement, ils sont invincibles. Du coup, ce qui peut vite foutre la merde. Dis-moi que t'es touché, toi, oui. Oh, j'oupe mes balles. Ah non, j'en ai marre. Je crois que ça passe pas. Il est pas touché. Fichier. C'est qu'une chute est vite arrivée à cause du sticky. Suffit que je contrôle mal mes touches et bam. Allez, la glissade jusqu'en bas. Et là, mon pote, tu pleures. Bon, un zombie pousse aussi, ça peut arriver. La force, on n'oublie pas la force. À la limite que 99 je pose mon sticky devant moi pour être safe. Oh non mes frères, mais ça me saoule la chaîne, elle est prise là-bas, putain. Pour Akuma, let's go. Y'a un flag s'il te plaît, dégage. Oh non, je crois qu'il a refait une flaque. Ok, là ça reprend, j'aime bien. Reste comme ça, s'il te plaît, la chaîne c'est parfait. Ouais, petite balle de sticky devant. Let's go. Bon, ça va être long, bien manche. Hein. Là, je les sens passer.
J'ai foutu un peu trop de munes à ce manche là quand j'ai mon nombre de munes. En même temps, ils arrêtent pas de partir là-bas, ils cassent les couilles. La chaîne, j'arrive plus à la gérer, c'est la fatigue, là c'est la migraine, tout. C'est trop. Oh, j'ai 11 000 glissés, j'ai pas réfléchi, j'ai tiré. Putain, y'a plus la flaque en haut, j'ai pas fait gaffe. Oh. Merci beaucoup Rafa pour le 19e WhatsApp qui fait plaisir. Désolé, je suis un peu focus, là j'ai aucune réaction, c'est terrible. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien, ça fait ultra plaisir. J'ai peur pour mon nombre de balles, j'ai trop fait de la merde à ce manche. Je fais trop de la merde, j'en ai marre. J'en ai marre chat, oh oui. Oh oui. 20 balles ça devrait faire pour l'immune. La last. Non, mon chou, tout peut arriver. Je peux tomber, je peux mourir, je peux la gérer. Je peux chier l'immune. Tombez vite, s'il vous plaît. Juste être rassuré et me dire, ok, c'est bon. Oh non, la chaîne qui se crée en... Non! Non, pas ça! Je sais pas si y a un bonus qui a pop en haut. Je crois pas. Oh non, le chat. Non. Oh. J'ai pensé à tout sauf à ça. Je vais pleurer. Non! Non! Bâtard! Insta, x2, oh non! Oh, je suis rassuré! Non, les balles. Je panique là, je suis désolé, je suis stressé, je suis fatigué. Ouais, j'ai là, c'est... J'ai envie de dormir. Mon cerveau, il dit stop. Oh, t'es en train... En fait, là, le cerveau est mort. Il faut stopper. T'es tout en stress. Ah, je te jure, gros, c'est... Même moi, j'étais pas bien. Genre, j'ai vu la chaîne qui s'est créée au début. J'ai vu les 3 bonus. J'ai pas vu de 4ème. J'étais en mode... Non. C'est bon, il y a plus la flaque en dessous. 24 000, ouais, tu vois, c'est ce que je disais. Je pense que ça va être 24 500. 24 700 kills, peut-être. Ouais, le stress. Là, le singe, quand j'ai entendu. Ah, c'est déclenché, j'étais en mode. Pire, tant pis, j'aurais fini sur la strat propulseur, mais chiant. Très chiant. Très, très chiant et très long. Surtout que je suis en début de ronde. Il y a encore trop de balles, je... Putain, on serait sa mère, Nailis. Ah, c'est Nailbot, il est un peu chiant. Il est gentil au fond, Nailbot.
Il a dit quoi? Je suis pas sûr. Attends, là, là je te cache pas que j'ai eu un début de manche terrible. Je suis en double chaîne. Sans faire exprès. Oh, c'est passé, Toz, c'est au début. La chaîne est remontée là, elle s'est foutue au fond. Elle a fait une flaque au fond. J'ai eu aucun bonus qui est tombé. J'étais en galère 2 minutes parce que j'ai trop spam la dernière. Ça a été mon moment de stress. Gros chat, j'ai une insta. J'ai balancé le premier singe, le singe. Ouf, disparaît. J'étais en mode. J'ai pu en lancer un. J'ai tué en insta avec la haine. Les munes sont tombées. Il y avait eu les 3 bonus qui étaient tombés, il manquait juste les munes. Je me suis dit, non, j'ai loupé les munes. C'est mort. Oh, pour ça, je vous safe. Hein. On met des flaques partout. Allez, la tose, là, c'est. Je suis un peu de retour, je suis rassuré. Merde, je parle, du coup, je loupe, voilà. Mais là, je te cache pas qu'avec la migraine, mon cerveau, il galère au niveau des sauts. Je sais, j'ai failli tomber, je sais pas combien de fois dans le vide. Hein. La French luck, en gros, c'est. J'espère qu'en nombre de balles, ça va passer. Je pense, oui, de toute façon. En plus, toi, c'était pas là tout à l'heure, mais j'ai perdu Minimasso d'une manière trop conne. Et voilà, je reloupe la flaque, putain. J'ai oublié que j'étais sur Plutonium et que sur Plutonium les commandes étaient activées sur la touche. Et sans faire exprès, j'ai voulu changer d'arme, j'ai appuyé sur la touche, je me suis fait niquer. Je suis mort. Oh, l'espoir! Yes! Let's go! Let's go! Ah, oh, mais je suis bien large en une! Putain! Oh, merci pour tout vos GG le chat! Oh! J'aurais pu faire flawless si j'étais pas un connard appuyé sur la touche carrée! Oh! Merci beaucoup à la batteuse pour le 4ème mois, pour les 100 manches. Merci pour les GG, pour les émotrons de sang, le chat. Putain, en 5 try, je crois, on apprend dans ces stratégies. Je suis content. J'avais pas chié la touche, les gars, j'aurais fait flawless. Voilà, fin de la vanne. Et Toz, en plus, cycle de bonus qui allait et tout, c'est. Putain, c'est la première fois que j'arrive à faire un run, tu vois, un vrai run sur un Call of avant BO2. Avant BO3, pardon, genre, tu sais, avec la strat que tout le monde utilise, en gérant bien les balles, en calant le cycle de bonus, c'est vraiment mon premier vrai run, on va dire, comme les runners, quoi, donc je suis trop content. Moi, tu vois, là, ce manche sang, il a un petit symbole pour moi, tu vois, il a... Et bien sûr, le chat, hein, DGG pour moi, mais aussi pour le seul, unique professeur Toz. C'est ça, Toz, mon élève, c'est Toz, en gros, qui m'a, pour ceux qui ont suivi le live de dimanche dernier, c'est lui qui m'a coach, on s'est mis en coop, il m'a dit, voilà, tu tires comme ça et tout. Il m'a appris à caler le cycle de bonus. J'ai refait 2 games, je crois, en off, où il m'a encore essayé bien d'apprendre le cycle de bonus, on va dire, calé. Ensuite, tu as tourné la vidéo de mercredi, où on a fait le 93. Et là, voilà, quoi. Et du coup, 93, j'ai failli de manière comme, parce que j'étais même pas sur le jeu, je faisais un peu tout à côté. En vrai, j'ai envie de faire un truc. Bon, je risque de mourir, mais au pire. Et du coup, depuis le 93, j'avais pas lancé. Du coup, là, c'est vraiment mon. Ok, il est pas là. Ah non! Dommage. Ah, Insta, je vais peut-être attendre pour un ascenseur en vrai. Je veux faire le saut de l'ange pour la fin. Au pire, j'ai les singes à lancer après. J'ai rien qu'un ascenseur se bouge le fion. Ah, je suis con, pire, reste celui d'après. Au pire, je m'en fous, j'ai eu le sang. Et je te dis, les gars, on ira pas à la cafette. Oh, ça va être dur à tenir là. Avec Double Tap qui est seulement là. Comme je vais essayer de faire comme Toz m'a appris, c'est la merde. Ah,
là là. Allez, remonte vite, remonte vite, mon ref. Oui, oui, je peux faire mon saut de l'ange. Je peux faire mon saut de l'ange. J'ai bien mis le petit demi-tour, je suis content de moi. Est-ce que quelqu'un peut me le clip? En mode petit coup de stress à la 100. Je suis pas un pro esquive, mais celui-là, j'en étais content. Remplis la banque, mais elle est déjà pleine, ma banque. Limite, il manque peut-être, je sais pas, 50 000 points. Ok, cette touche-là. Ah, il passe pas. Dommage, il passe pas le saut de l'ange. Parce qu'en gros, si vous savez pas, si vous plongez, si vous atterrissez sur ce rebord pile, votre perso il glisse sur le côté et vous êtes en bas, vous êtes pas mort. Voilà. Go se suicide. Allez, Die Rise. A la prochaine, Varus. Je suis content. Bah écoutez, si vous étiez sur la vidéo qui était sur Flappix TV, n'hésitez pas, comme d'habitude, bien évidemment, à exploser la barre des likes pour ce round sans Black Ops 2 qui est passé. Parce que je disais à peu près 24 000 kills, donc let's go. Voilà, n'oubliez pas de liker avant de quitter la vidéo. Surtout, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futures vidéos zombies. Voilà, nouvelle vidéo tous les mardis, jeudis et samedis sur cette chaîne secondaire. Faudrait qu'on pète les 100 000 abonnés avant 2022 sur cette chaîne. Ok, donc tous ceux qui sont pas abonnés à Flappix TV, c'est une chaîne secondaire, 3 vidéos bonus par semaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et... Puis rejoignez Twitch, YouTube du coup pour voir ça tourner en stream. Et je vous embrasse fort, je vous dis prenez soin de vous et... Bah à la prochaine YouTube.